Ah, c'est bon. C'est bon. J'ai eu peur l'espace d'un instant. Y a pas de son dans le... Dans le menu. Assez étonnant. Alors j'ai complètement oublié comment on joue au jeu. M'en voulez pas, mais... Le jeu, il te parle pas à toi. Qu'est-ce qu'on a? On a notre faux, on a notre faux et on a notre faux. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, on va descendre. Ah, il y a déjà plus le... Il y a déjà plus la musique. On peut aller où? On peut aller par là, on peut aller par là? Il y a un stylo, on va piquer le stylo. C'est sûr, ça va me servir. Ah, la chance. Oh, c'est pas un stylo. Hein? Le 2, noir, perd et manque. Le 2. Le 2 est gagnant. Vos jetons, monsieur. Thank you. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, faites vos jeux, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Hein? Le numéro gagnant, le 3, rouge, impair et manque. 3, rouge. Ok. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Bon, y a un truc, quoi. Y a un truc, faut gruger. Ok. C'est pas étonnant. Ah, dormir. Et peut-être faire des cauchemars d'araignées et de castors. Ok. Je ne bouge pas de meubles en smoking. Non. Et si Mitch a décidé de revenir pendant mon sommeil? Ah, donc il dort plus. Reportage de guerre de Salvador. Ça fait un an qu'il m'envoie des messages de ce genre. Agent Calavera, j'ai appris que tu étais arrivé sain et sauf à Rubacava. Cela m'est fait chaud au cœur, car tu pourras continuer à servir la AP. Tu seras heureux d'apprendre que les œufs que tu as libérés ont tous éclos. Les pigeonneaux qu'Eva a baptisés Mani et Meche se portent bien et sont impatients de servir notre cause. J'espère que ma prochaine missive te parviendra grâce à un de ces jeunes messagers de la liberté. Vive la révolution! Salvador Limones. Je n'ai pas fini de le lire, mais plus tard peut-être. Ok, donc ça c'est pris. Ah, d'accord, on revient là. Ah, des fois, c'est pas clair quand même. Enfin, ça me fait revenir ici. Ok. Alors là, il y a le jeu. Il y a le jeu de l'arnaque, il y a le pieu. Ok. Ah, il court. Hein? Ah! Le chauffeur de taxi. On dirait que Loupe est encore dans tous ses états. Mm-hmm. Bonsoir, Loupe. Salut, Mani! J'ai mis au point un nouveau système de rangement des manteaux, c'est génial! Oh, le mec, il s'en fout. Ah, le mec, il s'en tape. Il s'en tape, mais profond, quoi. j'ai fait un truc super. Tu crois qu'elle viendra ce soir? Bogen est arrivé. Il y a du monde ce soir. Bon, j'y retourne. Et il lui demande absolument pas c'est quoi. C'est juste, je m'en fous. Tu crois qu'elle viendra ce soir? Manny, tu me le demandes chaque soir. Qu'est-ce que je dois te répondre? Tu vas répondre oui. Tu dois répondre, oui, je crois que c'est le grand soir. Ouais, je crois que c'est le grand soir, où tu as fini par disjoncter pour avoir trop attendu l'arrivée triomphale de Mercedes Colomar. Bon, on reprend à zéro. Tu crois qu'elle viendra ce soir? Ouais, elle va venir ce soir, je le sens. Merci, c'est de ma faute si elle est seule dans la forêt. Si tu le dis, Manny. C'est déjà barré, ouais. Morgan est arrivé? Ouais,
Il est à la salle de jeu, en train de se frotter les mains, comme d'habitude. Il y a du monde ce soir. 3 pelés et 1 crâne tondu. Ils sont tous rentrés chez eux pour la fête des morts, je suppose. Sauf en salle de jeu. C'est plein à craquer. Pourquoi tous ceux qui ne restent pas chez eux sont également ceux qui aiment les jeux d'argent? Je suppose que quand on ne trouve pas son bonheur chez soi, on n'a rien à perdre. Hé, je trouve qu'on devrait inscrire ça sur la porte d'entrée. Tout va bien au pays des fourrures et des chinchillas? Tout est en ordre. J'en suis fière. J'ai hâte de voir les gens entrer et essayer mon nouveau système. C'est tellement cool. Tu veux que je te le décrive? Voilà, voilà, j'allais dire ce qu'il va te demander. D'accord. Dis-moi tout sur ton nouveau système de rangement des manteaux. Ouais! Voilà, je suis tombée sur ces jetons en plastique qui servaient dans la cafétéria. Et devine quoi? Ils portent tous un numéro. Alors c'est simple, j'en donne un à tous ceux qui déposent leur manteau et... Allez, tu ne m'écoutes même pas. Je me tue à la tâche pour mettre au point ce système et tu t'en contrefiches. Loupé. Laisse tomber. Ne fais pas semblant. Si, ça m'intéresse. Maintenant, j'en parlerai à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui m'écoutera. Ah, le mec. Là là. Mais si. Mais c'est un mec, quoi. Allez, dis-moi tout sur ton nouveau système de rangement des manteaux. Désolé, ne sois pas condescendant. Bon, j'y retourne. Ok. On dirait que Loupé est encore dans tous ses états. Si un jour Loupé possède tout, on pourra dire qu'elle a tout, Loupé. Oh! Salut Manny. Oh la Hola. Classe! La petite descente sur la rambarde là. J'ai parié que Glottis va nous jouer son concerto en clair-molette. En clair-molette. Y a pas foule ce soir, hein, carnal? La fête des morts, c'est la poisse pour le business. Mais d'hier soir, tu te souviens d'hier soir? Oh oui! Qu'est-ce que tu joues là? Et c'est juste une petite, tu sais, une romance pour une dame chère à mon cœur. Oh, attention, il va chanter. Et avec les paroles, ça donne quoi? Je ne connais que le début. Bolidos. Et Bolidos, c'est sa bagnole. Ah, donc le mec kiffe sa voiture. Tu crois qu'elle viendra ce soir? Celle qui est chère à mon cœur. Non, Meche. Je vais te dire, Manny. Je crois bien que oui. Je suis sûr que c'est le grand soir. Tu sais, quand on partira, je pense que cette boîte va me manquer. Ah, Manny, pourquoi ne pas rester ici? On a un club sympa qui nous sert 3 repas par jour. Et Max me laisse conduire le bolidos une fois par semaine sur le félinodrome. En plus, on est toujours bien sapés. Je ne peux pas éternellement vivre dans ce monde, ce n'est pas le mien. Je dois trouver Meche et l'aider. Sans moi, elle aurait... Salut, Otto. Compris, Manny. Bon, je te laisse à tes gammes, Glottis. Je n'ai plus besoin de ça, l'ami. Je suis un pro. Attendez, est-ce que j'ai une mouche? Petit moucheron de merde qui me fait chier, là. Merci pour le raid, Otto. C'est sympa. Du coup, si t'es encore là, t'as réussi ou pas l'arnaque du jeu ou t'as arrêté? Parce que Otonoshi, excellent joueur de Isaac... en train de faire le 2 000 000%. Et là il est vraiment sur la fin. Donc il cherche vraiment à avoir les derniers objectifs. Et les derniers c'est pas les plus passionnants. Et c'est pas les plus les évidents à avoir. Donc j'étais sur son stream tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir Otonoshi hein, de temps en temps. J'aime beaucoup sa manière d'animer. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui anime très bien. Et même les trucs relous, il arrive à en faire quelque chose d'intéressant. C'est pas... Oula. Hein? Je voulais pas rentrer? Le numéro gagnant, le 3 rouge. Il y a le moucheron qui est dans le coin, là. Quand je vais le pécho... il va passer un sale quart d'heure. Ah, Mario de Oro. Une délicieuse liqueur aux épis de maïs. Oui, je ferais mieux de l'emporter, ça peut servir.
J'ai envie de picoler. Ah, donc a priori quand je manipule le truc, ça a un impact ici en fait. Quand je manipule le truc et à l'étage au-dessus. Ok. Chinchilla Charlie à sa place habituelle. Je peux m'asseoir, Charlie? Fais comme chez toi, Manny. Il est bien à toi ce club, non? Hein? Ah, le club est à Manny en fait. Ah, le mec il commence, il balaye et un an après il a un club quoi. C'est un beau costume, où l'as-tu volé? Oui, alors qu'est-ce que tu y fais? Ne t'avais-je pas dit de ne revenir que si tu pouvais régler ta note au bar? Oh non, ils m'ont viré du champ de course pour avoir fraudé avec de faux tickets. Alors maintenant je dois venir ici, Manny. C'est un chouette endroit, Manny. Avec quoi as-tu imprimé tes faux tickets? Avec ça. Belle bécane, hein? La dernière fois qu'on m'a mis au trou, je partageais ma cellule avec un faussaire de premier ordre. Mais il avait aucune ambition, j'ai eu aucun mal à lui voler ça sans qu'il s'en aperçoive. Merci. On ne sait jamais, ça peut tomber à point. Hé, hey, rends-la-moi, Manny. Peut-être une fois que tu auras effacé ton ardoise, Charlie. Oh, Manny. Il est malin. Quoi d'autre peux-tu contrefaire? Rien d'autre, n'importe quoi. Tu peux faire des passeports? Manny, sur bien des points, tu agis comme si tu étais encore vivant. Les âmes voyagent sans passeport. Nous sommes tous citoyens d'une même nation, et notre roi porte un suaire. Donc pas de passeport? Non, non. Ce petit hologramme est très délicat, tu sais. Et des permis de conduire? Pas de problème. Donne-moi une photo récente, 50 sacs et 15 jours pour les faire, ok? S'il me manque autre chose, je reviens te voir. Je ne suis pas Madame Soleil. Pourquoi n'es-tu pas aux tables de jeu? La roulette, c'est pour les veuves éplorées et les Français. Pourquoi ne stimes-tu pas des machines à sous? Absolument, tout le monde aime les machines à sous. De 7 à 77 ans. Surtout à 7 ans, ouais, bah ouais, à 7 ans. Et j'ai un truc. Un truc infaillible pour gagner à tous les coups. Parmi mes amis, il n'y a que des Français et des veuves pleurer. Ratin, ça trash les Français. Alors est-ce que du coup, pour chaque traduction, ils utilisent le pays de la trad? Ou est-ce que vraiment en VO, ils trashaient les Français quoi? Français, veuve et pleurer. J'y réfléchirai. Je vois que tu n'as pas perdu ton sens de l'humour, Manny. Parle-moi de ton truc, Charlie. Je ne vais pas te révéler mes secrets, mais sache qu'il ne faut plus faire qu'un avec la machine. Tu dois pénétrer au cœur de la machine et lui faire cracher ses pièces. Tout bien réfléchi, je préfère que tu n'ailles pas à la roulette. Les machines à sous attirent une clientèle indésirable. Non, on est tous indésirables, Manny. Mais toi en plus, ton compte est dans le rouge. Parmi mes amis, il n'y a que des Français et des veuves éplorées. Moi aussi, je suis ton ami. Je suis ton ange gardien. C'est un beau costume. Où l'as-tu volé? Manny, si tu apprends à saisir ta chance comme Chinchilla Charlie... Alors toi aussi, tu auras un jour un beau costume comme ça. C'est que j'ai un club à faire tourner. Oui, je comprends, Manny. Reste dans ton monde. Mort derrière avec des cartes. Alors, c'est un postier ou c'est un mec de la marée chaussée, là? Bogen,
le meilleur commissaire de Rubakava. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. C'est la maréchaussée. Vous savez, on dit parfois qu'il faut toujours quitter la table de jeu au moment où la chance le vous sourit. Le numéro souffle. Gagnant. Peut-être, mais ce soir, je sens que j'ai la baraka. Le 4 noir, père et manque. 4 noir. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, faites vos jeux, s'il vous plaît. Mesdames les croupiers honnêtes se font rares de nos jours. Et des types comme lui, encore plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Tout se passe bien. Il me faudra bientôt des jetons supplémentaires si ce type continue de gagner comme ça. Le 2, noir, paire et manque. Le 2. Le 2 est gagnant. Vos jetons, monsieur. Mille fois merci. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ouais, il faut le faire perdre, quoi. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, rien ne va plus. Des rupins amateurs de sensations, mais pas doués pour les stats et les probes. Les jeux sont faits. Pas tant qu'ils perdent. Ah, voilà mon gagne. Non, les petits vieux, moi je veux que tu voir les petits. Ah non. Sensation, mais pas de le numéro gagnant. Ah d'accord, c'est lui. Le 3, rouge, impair et manque. 3, rouge, la banque paye, la banque paye. Ok. A priori, tout le monde gagne ce soir. Hop. Ah d'accord, là on sort. Meche? Manny, aide-moi. Je suis perdue depuis si longtemps. Pourquoi m'as-tu laissé tomber? C'est toi. Toi qui t'es enfui. Pourquoi? Parce que tu m'avais dit que je ne valais rien. Alors, j'ai erré seule pendant toute une année. Et tout ça à cause de toi! Le SS Lambada. Ah, le meilleur nom. Hein. Ah. Ah. Pas de bol. Hein. Tu comptes nous refaire le coup chaque année, Manny? À chaque fête des morts, tu vas jeter tes os dans le vide et moi je vais les récupérer? Je n'ai pas l'intention de moisir ici, Velasco. Dès que je connaîtrai la destination de ce paquebot, j'embarquerai. Il met le cap sur Puerto Zapato. Mais c'est de l'autre côté du monde. Aucun navire ne va jamais par là, sauf notre vieux limbe. Mais rien. Si le limbe est ma seule chance, alors je suis déjà à bord. Eh bien, bonne chance, fiston. Que puis-je te dire d'autre? Okay. Pas mal cette maquette dans la bouteille. Oui, c'est que la semaine prochaine, il y a la foire de Rubakava. Alors. Alors quoi? Le râteau du siècle. Je suis un expert en râteau pour BFM. Hein? Quoi? Ah, attendez, on voit plus ma gueule. Vous êtes triste. Voilà. Et laisse-moi voir ça. Je te la casse sur la tête si tu essaies encore de la prendre. Ok. Éviter. C'est quoi dans cette bouteille? Un remorqueur? C'est une maquette du limbago. Elle est d'une fidélité parfaite. J'ai juste un peu de mal à faire passer ce mât dans le goulot, là, tu vois? Et pourquoi on essaie... Merde! Hein? Oh, rien. Merde,
Des fois, je clique un peu à droite. Oui, bonne. Je fais pas exprès. Donc du coup, j'ai pas entendu la vanne. C'est dommage. Ah mais c'est ça le... C'est fermé. Je sais, je l'ai fermé. Je ne prends pas ça. C'est fermé. Je sais, je l'ai fermé. Pas cool. Ok. Oh là là. Oh là là, on va faire des allers-retours là. Oh là là, je vous le dis. Je vous le dis. Va y avoir de l'aller-retour. Je sais pas où faut aller. Il y a ici, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il s'est pris un gros râteau quoi à l'instant. Au quai du Lambada et le Lambada a déjà pris la mer. Ses boss parlent d'elle-même. Ses boss parlent. Non, ça c'est pour remonter. Si ça mène où? Non, ok, on en peut pas. Là, qu'est-ce que c'est? C'est le pont flottant qui relie le quai au champ de course du Félinodrome. Je ne prends pas ça. Ça débloque encore des trucs. Oh là là, ça va être infini. Ça va être... Je sais même plus où je suis là. Là, je vous avoue, je sais même pas où je suis. Hein. Ah non mais il y a trop de trucs. Hein. Il y a trop de choses le jeu. Il y a trop de... Oh là là, dis donc. Dans un zeppelin. Là là. Ah les voilà. Les Félinodromes. Salut Issoir. Comment un type réglo avec trois petites tables de jeu peut se battre contre ça? Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir sur le stream. Eh ben écoute, moi ça va. Ça va. Quoi il s'est mis? C'est la sauce cocktail? Non. Ah. Picole. On rigole, mais... Ça fait mal, on dirait. La semaine prochaine, c'est l'AGDQ. Ah bah oui. Et Attends, c'était vrai, ouais. Et Ils m'ont même pas appelé pour que je fasse quelque chose. Quelle indignité. Déçu. du coup, ils font ça en présentiel ou ils refont ça encore à distance cette fois-ci? Mais j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait. Est-ce que tu as préparé des lots à faire gagner à la GDQ? En fait, moi, non, c'est le contraire. Je suis sur le plus long run possible. Il y a une nouvelle catégorie. Ces classeurs contiennent des modèles de tatouages. Ils sont classés nautique et beauté. Le troisième, c'est encre mania. Ouais, c'est nouveau à distance. Ouais, bah. Plus tard, mani. Là, je suis sur une affaire avec Anselmo Naranja. Hashtag bannir la voix de Sarko du stream deck. Quelle indignité. Quelle indignité. Quelle indignité. C'est pas un stream deck. Ah, mais j'ai cru que c'était Mani qui parlait, c'est la même voix. Ça, c'est le même mec. Il se la pète avec son setup, pas du tout. Ouais, pas du tout. J'ai la plus belle Go XLR du monde. Cette absence de fond derrière moi. On t'entend pas beaucoup par rapport à Sarko, mais c'est pas grave.
Faut vraiment qu'on l'entende beaucoup, tu vois. Quelle indignité. Voilà. Ah, au niveau, pourtant... ah non, je suis peut-être un peu en dessous. Ouais, je suis peut-être un petit peu en dessous au niveau du son. Et non, mais il y a plein d'autres choses quand je jouerai bien. Quand je trouverai la solution à une énigme très dure, par exemple. Ça me touche. Franchement, ça me touche. Voilà. Ouh, ça me fait penser. J'ai oublié mon rencard avec Inès. Je ne prends pas ça. Pourquoi ça lui fait penser à ça? Allô, l'opératrice? Oui, ah, son téléphone. Comment as-tu deviné? Et dis pas ça à mon cœur. J'avais vraiment l'intention de passer. Oh, pas l'air contente. Je n'ai qu'une hâte, c'est de quitter cette ville. Ah. Ah, ça pas l'air super amoureux, Manny. Hein. Si Inès s'est calmée. Hop. Là, il y a le message. Moi, je veux la taille boue. J'ai pris une bouteille tout à l'heure. Voilà. Bouteille. Et je vais remplacer avec celle-là. Il y a déjà de l'alcool plus fort que ça là-dedans. Ah, le mec, il... Pas vraiment envie de faire ça. Pas vraiment envie de faire ça. D'accord. Bon, bah, fais pas ça alors. Ah mais c'est le fond vert, j'avais même pas capté, bah oui. Bah oui c'est le fond vert. Sinon, on verrait le fond dégueulasse que j'ai rangé. Mais du coup qui je m'incruste. Ouais, quand je bouge un peu le bureau, par contre ça secoue hein. Merde. Mais oui, voilà, il y a un magnifique fond vert maintenant sur le stream. C'est trop bien. Bon, bah, je sais pas. Voilà, je sais pas quoi faire. Hein. Ah, c'est le retour du moucheron de merde. Ah, attendez. Putain, il me nargue le connard. Il me narque ce moucheron depuis tout à l'heure. Je vais faire un massacre, hein, je vous le dis. Hein. On peut pas aller de l'autre côté. On peut pas aller de l'autre côté, ok. Le son est super bas. Ah ouais? Ah. Ah. Et bah augmente ton son. Alors la balance est bonne. Parce que la balance entre ma voix, le son du jeu et tout, ça j'ai déjà demandé. Et tout le monde m'avait dit ça, c'est ok. Mais le son, ouais, personne. J'ai pas eu de remontrance sur le son de. Sur le son, quoi. Et je suis à donf. Et je suis à donf. Après, je vais foutre du gain. Et avec le gain, ça va être dégueulasse, quoi. Ça doit être mes enceintes. Bah non, si t'as pas le problème. Si t'as pas le problème sur d'autres... sur d'autres streams et tout après le setup est en cours hein, du son mais là ouais non je suis plutôt parce qu'en plus moi j'entends ce que vous entendez quoi donc après ça va être un peu fort quoi. C'est ça qui est bien avec la Go XLR, c'est que du coup j'entends ce que vous entendez. Quoi? On est une guêpe et il y a un mec avec une cible sur le cul. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah non, c'est des abeilles. Ah. Ah.
Je m'attrompis. Ah mais oui, c'est un ouvrier, d'accord. Ces abeilles n'ont pas l'air trop occupées. Fait froid, hein, Terry? Ouais, il fait toujours froid quand on est au chôme du, Manny. Oh, ça parle mal des syndiqués. Number 80 part de ce stream. Qui est au chômage? N'êtes-vous pas tous syndiqués? Le syndicat? Le syndicat se contrefiche de la base. Ce sont les flics qui le dirigent, Manny. Et tu devrais savoir mieux que quiconque que les flics sont de mèche avec les tripots de la ville. Ah, non, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Un jeu qui dénonce. Et mon club est réglo, je suis de mèche avec personne. Et les pots de vin que tu leur verses? Toutes les semaines, on verse notre contribution comme tout club qui se respecte. Tu vois ce que je veux dire? Cette ville n'est qu'un immense repère d'escrocs qui se paie tous du bon temps sur le dos des autres. Pourquoi vous ne vous mettez pas au travail? Je vois que tu ne comprends pas quelle est la combine ici sur les docks. Si tu veux un job, tu dois verser au syndicat un petit extra qui est tout sauf petit. Si tu ne paies pas, tu es relégué à la manutention. Payez votre cotisation et l'affaire est réglée. On a notre fierté, Manny. C'est pas pour rien qu'on a un dard. Et puis on n'a pas de fric à gaspiller en ce moment, vu qu'on est en grève. C'est comme un problème où... La solution ne fait qu'aggraver le problème. Comme à la sécu. T'en connais des trucs, toi, ça m'épate. Oula. Oula. Si le syndicat est véreux, pourquoi ne pas intenter un procès? Oh, elle est bien bonne. Vous avez entendu? Ils pensent que nous devrions porter plainte. On vous exploite. L'heure de la révolte des abeilles a sonné. Mais que peut-on faire? On bourdonne, soit, mais ça va dans tous les sens. On ne nous dit jamais rien. On est juste bon à encaisser les coups. Désolé, mais ce moucheron m'agace. Faut vraiment que je le chope, hein. J'en peux plus, là. Mais il est vif. Il est vif, le salaud. D'où il vient déjà en fait? Je ne sais même pas d'où il vient, mais je sais qu'il me saoule bien par contre. Du coup, ouais, j'ai pas. Ils ont rigolé, ils ont dit oh là là, tout ça, ça marchera pas. Oh là là, mais le Manny est de droite, hein. Allez-vous un jour arrêter de vous plaindre? Tu ne sais rien de notre vie, Manny. Tous les jours, on vient ici, on essaie de gagner honnêtement notre vie. Mais on sait très bien que pour réussir, il faut savoir jouer des coudes. On perd son pollen dans la bataille. Et on s'affaiblit, Manny. Si les flics possèdent les syndicats et si les casinos corrompent la police... Ouais, ouais. Alors qui contrôle vraiment les jeux? Il me paraît évident que c'est Maximino qui tire toutes les ficelles dans cette ville. Mais on dit qu'il agit sous les ordres d'un gang de mafieux basé à elle à la moelle. Le félinodrome n'est qu'un paravent. En fait, c'est une blanchisserie. Tu piges. Ne baissez pas les dards, les gars. Ici, les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, Manny. Les abeilles ouvrières font tout le boulot. Mais elles ne peuvent influer sur... je veux dire que les outils de production devraient être contrôlés par... Enfin, on devrait. Ah, laisse tomber. Je ne suis qu'une pauvre abeille qui a faim. Les outils de production aux ouvriers. Et ouais. En coopérative. C'est fermé. C'est fermé. Ok, je peux faire le tour, mais... C'est fermé. Je peux rien utiliser dessus? Je peux pas utiliser de l'alcool dessus. Oh, petit chat. D'accord. Je peux imprimer des...
Ah, coucou Mimi la diva, comment ça va? C'est un ticket pour la course de mercredi. Semaine 4, course 5. Ok. Est-ce que les trois petits points sont une réponse à ma question? Oh mais... Oh, ça va être infini. Ah. Désolé que ça aille pas. Mais voilà, tu vas passer un peu de temps avec nous sur le stream. Ah, ah mieux. Le beau costume. Bah c'est mon sweat Hollister. Je ne suis pas son sponsorisé. Pas vraiment envie de faire ça. Hein? Oh là là, mais mais le. en fait c'est pas un point and click, c'est un open world. Je parlais du perso. Ah bon? Ah bon, tu parlais pas de moi. Super. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et je vous promets, c'est un putain d'open world, hein. J'arrive où là? Je sais que cette statue est censée représenter un truc concernant la justice, mais... On dirait plutôt quelqu'un qui fait de la gym, avec les anneaux. Du coup, ils font des tours, là. Je crois que je vais aller chercher des pulls de mec. C'est quoi, c'est un pull de mec? Ah! Le Zeppelin. Des poules absentes. Hein? Attention, attention, j'ai l'arme ultime maintenant. Hein. Ah, les nouveaux dirigeables est déjà en service. Espérons que cette fois ils ne le rempliront pas de gaz inflammable. Ouais, c'est arrivé, effectivement. Des pulls à capuche en coton tout doux et trop grand. Ah, non, j'ai eu un nouveau sweat, moi, à Noël. Il est tellement bien. Tellement. Des vivants, mais ce n'est pas là que je veux aller. Ok. Tu veux aller où, Manny? Ok. Ah non, bah non, je vais pas donner le sweat, je viens de l'avoir. Je viens de l'avoir et il est trop bien. Oh, je vais jamais me rappeler de tous les endroits où il y a. Tu ne passes jamais plus me dire bonjour. Comme tout le monde est à la fête des morts, j'ai pensé que tu aurais les coudées franches. Dans ce cas, Manny, tu peux bien rester jusqu'à 6 heures. C'est l'heure où je pars. Dis donc, le Manny, j'ai acheté une robe sweat. C'est quoi, ça ressemble à quoi une robe sweat? LOL. Pourquoi? Petit truc derrière là. Que des paperasseries. Le dirigeable est plein, ils retournent tous chez eux, sauf toi et moi. Documents officiels, on ne touche pas. J'entends rien avec le film des loulous. Ah! Ah donc t'es pas... Ah oui. Donc t'es la deuxième à me dire que le son est foireux. C'est les filles. Mais qu'est-ce que c'est que ce merde? Mais pourquoi donc? Attendez.
Hop, on va couper le son du game. En même temps, j'ai le casque trop petit de mini. Les femmes sourdes, mais c'est ça en fait. C'est ça. C'est les filles, vous entendez rien. Alors, les paramètres de son. Configuration du son. L'enregistrement. Et il est quoi le niveau? Bah non, je suis à 100%. Hein. Ah non, 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 je suis bien. Hein. Ah non, mais c'est moi, c'est la faute du film et des décibels qui, du casque qui limite les décibels. Ah bah voilà, ah bah voilà. Bon, bah. Bah désolé, histoire. Hein. Désolé, histoire. C'est toi. T'as vu? T'as vu? Derrière? Hop! Fond vert. Trop bien. Je peux faire ça aussi. Mais c'est ridicule. Ah mais ça marche plus. J'ai tout cassé. Allô? Allô? Bon, tant pis. Ah non, j'ai changé le gen... Oh, je sais plus. Oh, je sais plus ce que j'ai changé. J'avais pas vu la mare au canard trop stylax. Ah, pour le chat. Bah ouais, pour le chat, ça fait un petit moment qu'il y a la mare au canard qui affiche vos petits messages d'amour pour le streamer. Et t'avais vu la transition quand même. La transition entre les scènes, le coin-coin. Tu l'avais vu ou pas? Ah, j'ai... Le ciel, on ne touche pas. Quand a-t-on installé ce coffre? C'est une nouvelle chambre forte hyper blindée au cas où quelqu'un viendrait avec une bombe. Depuis quand Rubakava a-t-elle confronté au terrorisme? J'ai eu peur. Tu changes, Manny. L'insécurité gagne chaque jour. Comment ça, t'as eu peur? Trop classe cette transition. Ah non, mais voilà, c'est le stream qui bouge. le stream qui bouge à chaque fois, quoi. C'est chaque fois, il y a des nouveautés. Bon, là, aujourd'hui, il n'y en avait pas. mais j'essaye de mettre des petits trucs au fur et à mesure, quoi. Là, le prochain truc, c'est les messages de. Les alertes de sub qu'il va falloir que je corrige. Parce qu'actuellement, ça bug. Ça affiche un pavé et rien dedans. Et le truc s'en va pas. Donc, c'est un peu la merde. Il va falloir que je corrige ça. C'est fermé. Mais ouais, j'essaie de faire en sorte que le stream s'améliore et que vous ayez des petits trucs au fur et à mesure, quoi. Trop beau mes ongles. Voilà. Courage pour les... Non, non, ça doit être une connerie, hein. Je m'en fais pas. Donc voilà, c'est mes petits ongles faits par maman à Noël. Merci maman. J'avais pas vu les ongles. Ben ouais. Et mais je les ai ruinés aujourd'hui là. Je sais pas si on voit, mais celui-là. Hop. Vas-y. Non, pas avec la lumière. Mais celui-là, ouais, non, je les ai ruinés aujourd'hui, en fait, là. J'ai fait du tuning sur la bagnole. Et du coup, ouais, non, en passant les mains dans des endroits un petit peu serrés, le vernis a sauté, quoi. Donc, je suis bien dégoûté. Je suis bien dégoûté, mais bon. C'est déjà... Ça fait une semaine que je l'ai. Hein. Donc bon, ça va. Tiens bien quand même. Des Hirsup? Pas vraiment. Ils sont tous partis en vacances dans leur famille. Tout est mort ici, Manny. J'en ai marre. Marre. Faut revoir ta maman. Ou alors attendre ma chérie demain. Alors elle ne veut pas. Elle aime pas que je mette du vernis. Ouais, bah, honnêtement, j'aime bien. Hein. Franchement, j'ai des belles mains de base. Le vernis, ça me les magnifie.
pour ça que je le fais jamais, faut rien faire après. Et donc plus de vernis, moins de tuning. Alors après le tuning, je suis en train d'installer un radar de recul sur ma 206 qui n'en a pas. Et donc fallait que je passe le câble qui fait les bip bip à l'avant de la bagnole. Et fallait que je passe le câble dans tout le faisceau jusqu'à l'arrière de la voiture, là où il y a les feux de recul. Et c'était bien galère. J'en ai bien chié. J'aime bien, mais c'est moche au bout d'une heure. Ah, moi non, ça a tenu. Mais ma maman avait fait ça bien. Ma maman avait eu un petit truc d'accrochage avant. Ensuite, deux couches de vernis. Et à la fin, un petit truc huileux, là, pour que ça sèche vite et tout. Donc, attention. Maman fait du beau travail. Hein. En termes d'ongles, balèze. Mais pas de vernis non plus. Mes yeux sont toujours attirés par la couleur. La meuf qui regarde ses ongles toute la journée. Moi, j'y fais même pas. Clairement, j'y fais pas attention en fait. Moi, j'ai changé de voiture pour avoir le radar. Mais tout le monde peut pas être de droite, Bibi, en fait. C'est le problème. Tu vois, moi, je suis un pauvre. Je suis obligé de quémander des subs sur ma chaîne pour pouvoir avoir un petit revenu. Des subs, j'ai dit les subs, commander des subs. Je suis obligé de mettre des pubs pendant les pauses, donc voilà, je peux pas changer mais ma voiture comme ça, quoi. Ça a l'air bien les fêtes chez vous, bah ouais, non, c'est sympa. Et coucou Twinsen! Coin coin du soir, bonsoir. Alors comme tu vois Twinsen, ça avance très vite dans le jeu. J'en profite pas toutes les 5 minutes pour discuter de complètement autre chose. Speedrun. Speedrun à fond, quoi. On parle. Et l'admin system là. Ah ouais, bon, il y a ça aussi. Il y a ça aussi effectivement. Mais l'admin system, c'est un complément. C'est un complément au stream, quoi. Donc ce B à la chaîne. ce B à la chaîne si vous voulez voir du vernis de meilleure qualité sur cette chaîne. Voilà. Moi, j'ai pas de voiture, mais pas d'Air Max avec des radars de recul. En même temps, ouais, sur les Godas, c'est un petit peu moins utile. Je t'avoue. Et puis, en fait, là, clairement, je pourrais m'en passer, hein. Mais bien que c'est quand même pratique d'avoir les bip-bip. De toute façon, les enfants, c'est le... Ah, attendez. Alors, c'est le moment sécurité routière. Radar de recul ou caméra de recul. Code de la route dit que quand vous faites une marche arrière, c'est toujours en vision directe qu'il faut regarder. Donc c'est jamais je fais une marche arrière et je regarde ma caméra de recul et je m'en branle complètement. Quand vous faites une marche arrière, vous pivotez comme ça légèrement afin de regarder ce qui se passe derrière. C'est interdit de faire une marche arrière sans regarder en vision directe. Voilà. Alors, évidemment il y a des véhicules où c'est pas possible. Mais surtout les véhicules où c'est possible, c'est une vision directe normalement dans le code de la route. Mais pour les créneaux quand même, le radar, voilà, je sais que de temps en temps, moi, je suis, c'est limite en termes de place dans ma rue, et donc le radar, voilà. Et puis c'était aussi pour améliorer un peu la 206 et puis faire des trucs dessus, quoi. Voilà, c'était autant pour le fun que pour vraiment l'utilité du radar de recul, quoi. Et en ce moment, voilà, dans ma folie d'achat sur AliExpress, n'allez pas là, il faut pas, hein. C'est pas des gens bien, mais franchement, 10 balles le radar de recul, je pense que ça valait le coup de me faire chier, quoi. C'est surtout qu'on pouvait pas mettre 3 sièges auto dans l'ancienne, ah oui. Donc c'est emmerdant quand tu as beaucoup d'enfants. C'est un problème que je n'ai pas.
Les persos ont des crampes, ouais, les persos commencent à douiller en termes de crampes, là c'est... Ouais, c'est bien. Le penseur de Rodin. Le penseur de Rodin. Sa voiture va devenir la 206 de Samina série. Tu veux dire avec des... des barres en métal et des battes de baseball dans le coffre, c'est ça? Non, pas prévu de tuning pour augmenter les performances de ma 206. C'est juste du cosmétique, enfin même pas du cosmétique, c'est juste de l'utilitaire. Je l'ai déjà pimpé il y a très longtemps quand j'ai mis des ports USB dedans. Donc du coup j'ai la charge dans la voiture, ça c'est pratique. Et là je vais avoir le radar de recul, voilà. Et des barres de LED. les barres de LED déjà c'est dans le bureau. On va voir après pour la voiture. Voilà. L'articulation osseuse sont grippées, un petit peu de WD-40. Et on n'en parlera plus. Bon. Elle attend quoi la navette? Il la nettoie, c'est tout, mais ils sont tatillons. Le dirigeable est d'une structure délicate. Un aileron. Ah les kékés, les kékés qui mettent des ailerons sur les petites voitures. La fatigue. Je pige pas. Moi j'ai une 206, 90 chevaux. Je pense que le maximum qu'elle ait fait en vitesse un jour c'est 140. je me vois pas foutre un aileron quoi. Comme les voitures qui sans permis qui font du tuning. Ouais, non, mais ouais. Attends, coin touch. Hey, coucou. Voilà. En parlant de coin touch, Melzekiel qui arrive. Coucou à toi, Melzekiel. Ça parle des tuning de voiture. Est-ce que, Melzekiel, tu fais du tuning de vélo, toi? Est-ce que tu aimes tuner ton vélo? Est-ce que ton vélo a un radar de recul et des ports USB? Ah. Là est la question. On veut tout savoir. Des néons jaunes. Ah t'es plus néon jaune. Plutôt du rouge. Hein. Les voitures en rouge roulent plus vite. Je peux essayer ton détecteur de métaux? Pourquoi t'intéresses-tu tout à coup au détecteur de métaux? Je suis collectionneur. Eh bien, je te le montrerai quand ce sera l'heure de la pause. T'es d'accord? Et c'est bien trop. Allô. C'est à 6h, t'as dit tout à l'heure. Trop tard. J'embarque cette nuit. J'avais oublié. Je suis tombé dans ce panneau beaucoup trop souvent. Je pense que c'est l'heure de la pause. Si on allait boire un verre là-bas dans le fond, tu me dirais tout sur ton travail, les risques, les détecteurs de métaux. Cette pièce est un lieu de travail, Manny, et je suis occupé. Oh là là, petit con. Je tune ma trottinette. Si. Plaisante. Qu'est-ce que t'as fait sur ta trottinette? Raconte-nous tout, je veux savoir ce que tu as fait sur ta trottinette. Mon vélo a un prénom. Le mien se nomme Sanctuary. Et le tien, Bibi. Ouais, c'est vrai, Gigi. Oh, en parlant de Gigi, bientôt sur ce stream, There is no game, Wrong Dimension, qui a priori est génial. Et voilà, je spoil en disant qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Gigi dedans. J'ai vu des streams. J'ai pas vu beaucoup de choses en fait dessus. Mais il y aura du Gigi. Voir qu'on est dans le thème. Glotis, il fait du tuning sur sa voiture. Maintenant, il est pianiste, Glotis. Déjà, je la resserre pour éviter de racler. Ah, du tuning, oui, c'est... C'est de l'essentiel en fait là. Trop beau mon vélo. Ah bah non mais Bibi et ML Ezekiel, si vous commencez à parler vélo, là je pense que on a pas fini quoi. Oui je vais acheter ce jeu, il est très bien, There is no game. Et il faut que je le termine aussi. Ah bah ouais non ML Ezekiel, ouais. Avant que je le fasse, faudrait que tu le termines. On est trop allé un nom à ma trotte là. Et bah voilà, c'est le fil rouge de ce soir, c'est trouver un nom à la trottinette de Issois. Voilà. C'est à vos votes.
à vos idées. Balancez tout. Balancez vos idées là pour le nom de trottinette. Ça fait longtemps qu'on m'en parle. Il n'est pas si vieux que ça, There is no game. Il sera quoi le local du fond, Carla? On y fouille les gens. T'as rien à y faire. Ah. Oh là là. Oh. Attention, c'est Manny. J'aimerais bien me faire fouiller. On y va? J'admets que ce serait une façon agréable de passer le temps, mais nous avons un règlement et... On ne sait jamais quand ils nous observent. Je ne peux déshabiller quelqu'un que lorsque la fouille standard n'a rien donné. Ça vaut le coup d'essayer. J'adore cette scène. Oh là là, ça tourne en porno. Voulez-vous bien poser vos affaires sur le comptoir de sécurité, monsieur ? Vous êtes en règle. Eh ben dis donc, Manny, j'ai failli te faire déshabiller. Ah, donc faut que je planque quelque chose pour que... Ok, d'accord. Bon, elle a pas d'enfant. Elle pouvait pas bosser. Ouais, ça aide. Hein. Nom de trotte. Qu'est-ce qui trotte? Qu'est-ce qui trotte? Trotte, trotte avec un T. Un T comme Tata Yo-Yo. J'ai une belle cicatrice sur l'avant-bras à cause d'une trottinette électrique qui a fini contre le mur en Revengeance. Donc je m'abstiens. Ah. Comme Trotsky. Comme l'âne trop trop. Ça fait long comme nom. La trotte. Qu'est-ce qui est... Quel mot commence par trotte? Mis à part trottinette. Tu pourrais l'appeler Inette. Déjà, est-ce que tu veux un nom est-ce que tu veux un nom féminin ou est-ce que tu veux un nom masculin pour ta trottinette? J'avais une idée, mais j'ai oublié le temps de prendre le téléphone. Eh bah, bravo Bibi la Diva. Magnifique. Trotsky. Tina est d'abord... Oh, comment va Tina? Comment va Tina? Comment va le meilleur toutou chien du monde? Pourquoi ne viens-tu plus jamais au club? Pour te dire la vérité, Manny, c'est à cause de cette fille du vestiaire. Elle a une énergie qui me donne envie de l'étrangler. J'ai essayé et ça ne l'a pas arrêté. C'est l'heure de ta pause maintenant? Je t'ai déjà dit pas avant l'aube. C'est une soirée romantique. Tu ne trouves pas? Non. Non, non. Tu es sûr que je ne peux pas? Pas touche. Il y a une tension sexuelle entre c'est les deux là. De ta pause, maintenant. J'étais déjà... C'est une soirée romantique. Tu ne trouves pas? Rigole pas, c'est ma vie tout le temps, mais je sais. C'est pour ça que je me suis moqué. Aller plus haut. Aller plus haut. Non, 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 pas ça. Tina fait caca mou et refuse de manger son riz. Oh non! Oh! Petit toutou, qu'est-ce que je continue à dire qu'elle serait plus heureuse avec moi. Il hein. Y a un truc qui va pas. Hein. Ils sont fermés. Tu t'attendais à quoi? J'adore le fait que les persos puissent répondre en fait avec ce que je peux faire et dire quoi. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je peux rien toucher là. Hein? Allô le jeu?
Putain, mais j'ai câblé le jeu. Non, mais c'est une blague? Putain, heureusement qu'on peut jouer avec les flèches, hein. T'as fait un stream avec Duck Hunt? Nope. Pourquoi je ferai un stream où on maltraite des pauvres canards? Peut-être elle veut du... Peut-être elle veut picoler? Regardez, on va essayer de la faire picoler. Je suis en service, Manny. Ok. Ah, il y a des canards, mais c'est un jeu où on maltraite les canards. Non, mais non. Non. Y a rien. Il se passera. Non, mais il se passe. Voulez-vous non. Bien Allô ? Coupe. Coupez. Coupez tout, là. Je vais aller terminer le cadeau de ma nièce. C'est-à-dire. Vous êtes en règle. C'est-à-dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Terminer le cadeau de ta nièce. On veut tout savoir. Tu peux pas nous dire des trucs comme ça et t'en aller. C'est pas possible. Belle course, mes amis. El Pussy Mancho. Échec, échec. Ah d'accord, ce truc là. Ok. Untitled Tales Goose Game, je l'ai fait déjà en fait. Je l'ai pas fait en stream, mais. Alizé ? Et Untitled Goose Game, vraiment très bon jeu, hein. Je me suis vraiment beaucoup marré en le faisant. C'est des chats ? Mais c'est des chats ? Bah oui, Pussy Pancho. Putain, c'est des... ils organisent des courses de chats. C'est quoi? Oh, désolé, monsieur, mais c'est l'ascenseur qui mène au salon privé. C'est là que je vais. Il faut être membre. Vous êtes nouveau ici. Pour monter à l'étage, vous devez avoir une carte de VIP. Adieu. Ok, bon. Échec et chat. Échec et chat. Comment ils ont osé? Échec et chat. C'est fou. C'est honteux. Putain, voilà. Voilà. Life is Strange est trop triste. Oui, effectivement. Effectivement, c'est moins fun. On se l'accorde. Il semble super génial le livre dont tu fais la promotion. Peux-tu m'en commander un? Non. Hein? Mais ça va mal Ezekiel? Oh mais Twins. Oh Twinsen, tu me fatigues. Ah, je te le dis avec la plus grande gentillesse du monde. Ah, oh, tu me fatigues. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ah bah je suis obligé d'aller voir. Hein. Désolé. Alors petite pause pendant le stream. Oh merde. Oh, là vous allez détester. Vous allez me détester. Hein. Qu'est-ce que c'est? Hein? Quoi? C'est quoi cette merde?
Mais hein? Il n'y a rien qui va. Et on déglingue des arbres pour cette merde. Tiens. Je suis Ah, pouf. Le monde m'attriste. Hein. Oui, vous avez pas vu, hein, mais c'est pas grave. C'est plutôt mieux en fait. Bon. Très joli zong par contre, Isoua. Pas exactement libraire. Notre structure est une librairie. Je suis plus spécialisé jeux de société. Oui, effectivement. Ces minous devaient être très aimés. Je n'en ai pas besoin. Vivants, ils ne servent pas à grand chose, et morts, ils sont tout aussi inutiles. Non, on va voir la plaque. La plaque, Manny. Pur sang junior. Ces majestueux félins aimés des turfistes détient de nombreux records de vitesse établis ici dans le félinodrome de Rubakava. Sa carrière fut tragiquement interrompue au cours de la seconde semaine de la saison féline, quand le long courrier Olivia Ier s'écrasa lors de son vol inaugural au milieu du champ de course. Nombre de fans en deuil affirmèrent qu'avant le crash du dirigeable, Pursang Junior menait la course. Yop qui spamme nos déclarations. J'y peux rien, c'est... J'y peux rien, c'est des messages automatiques. C'est pas... Ça va changer, bientôt, voilà. Ça ne s'appellera plus... ça ne sera plus Tony Yop qui écrira ces messages. Ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, aimons-nous vivants, j'oserais dire. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'on s'aime vivants. Voilà. Caramba, cette odeur est pire que la muerte. Qu'est-ce que c'est? Ils font caca? Un petit chat, ça ira bien? C'est écrit ouvre-boîte révolutionnaire spécialement conçu pour la jante féline. Ah, mais la taille des. La taille des boîtes, quoi. Non, ça sent comme une litière mélangée à une sorte de mystérieuse pseudo-viande gélatino-synthétique. On a testé The Loop ce week-end. Et Karak et Détective Charlie. Trop bien pour les petits frustrés par les unlocks. Soit tu regardais les autres œuvres de l'auteur, c'est profond. Ah d'accord. Et bon, y a combien de pages à cette merde en plus? Ça sent bon, mais j'ai préféré manger mon propre bras. Ok, j'arrête de parler jeu. Ah mais voilà, mais on savait pas que tu parlais de jeu. Je pigeais pas ce que tu disais. Concentrons-nous sur le stream. Effectivement, je ne sais pas si vous avez oublié, mais il y a un streamer qui stream du jeu vidéo de manière très qualitative. Cette litière a vraiment besoin d'être changée. C'est pour ça que je n'ai pas d'animal chez moi. Ah, mais c'est une litière géante avec des caca. Ah, avec des trois. Oh, non, mais non, ils n'ont pas osé quand même. Des caca de chat géant là. C'est des boîtes de caviar. Non, c'est des boîtes de viande pour les... c'est des boîtes à chat.
Faut que tu viennes à la maison, Tonyob. Expan, oui, il le fait envie aussi. Et ben moi, j'ai commencé, j'ai fait ma première partie de Tapeworm. Voilà, pendant les fêtes, j'ai joué à Tapeworm avec ma grand-mère, ma nièce et mon beauf. Voilà, Tapeworm qui est le dernier jeu en date de Edmund Macmillan, le papa de Isaac. Je vais éviter la hernie. Allez, fais un petit plongeon. Fais un plongeon, Mani, non ? C'est pour ça que je n'ai pas d'animal chez moi. Ok. Non, mais les chachous, là. Les chachous qui font du bruit. Bon, j'ai ouvert la boîte de thon. Enfin, la boîte de la boîte pour le chat. D'ailleurs, mon Twitter est devenu nawak avec des réponses du type « Je le ferai à mon ex ». Super. Ah non, mais les débiles, quoi. Les débiles. Et étant donné le titre du bouquin, voilà. Les ex en question sont des nanas, je pense. Et les mecs, enfin, la personne qui écrit ça sont des mecs. Voilà, quoi. Perso, je me suis mise à l'adaptation vidéoludique de jeux société vu que c'est chaud pour trouver des gens avec qui jouer. Je sais pas si tu l'as, Number 80. Je me suis acheté Tabletop sur Steam qui permet justement de jouer à des jeux de table. Et voilà, après ça marche avec des mods, donc le jeu Tabletop est payant. Et derrière, après, il y a des mods en fait pour pouvoir jouer à des jeux. Alors, il y a des jeux originaux, mais il y a aussi des reprises de jeux connus. Si tu l'as, on pourrait se faire des petits jeux. Sinon, Banagram, Simio et Manchot et Barjo, un petit jeu top bien. Res Arcana aussi, super découvert de l'année. Oh là là, je connais rien du tout à ce que vous dites. Board Game Arena pour jouer en ligne à des jeux de plateau. Ouais, par contre, lui est bien connu. Ouais. C'est des Français en plus qu'il fait. Room, je sais plus quoi. Beaucoup d'autres sites du même type. Je comprends Number 80 pour Hotel Wingspan. Je suis motivé aussi. Ensuite, j'ai aussi Tabletop si vous souhaitez. Mel Zeke la Tabletop. Alors, en fait, moi, Tabletop, là, je l'ai pris parce que en fait, j'ai trop envie de jouer. Alors, on va reparler d'Edmund Macmillan, le papa de Isaac. Mais il avait fait un... On entend que je fais ça ? Oh, il est bien. Il est bien ce gate. Il avait fait un premier jeu qui est une adaptation en fait en jeu de cartes de Isaac qui s'appelle à chaque fois je vais dire Foursoul qui s'appelle Four Souls et j'avais backé le Kickstarter et donc j'ai le jeu quoi, j'ai le jeu sauf que j'y ai jamais joué parce que j'ai pas d'amis donc je suis super content d'avoir le jeu vraiment en physique. Mais j'aimerais bien y jouer sur Tabletop. Il est dispo sur Tabletop et en plus en français. Et je me dis que ça pourrait être cool de se faire des parties de Four Souls. Similo, j'aime trop Arcana dans ma liste à voir. Oh là là, mais vous parlez. Oh, vous êtes calé quand même. Enfin bon, Iswa, ça m'étonne pas. Bibi, ouais, j'ai vu le placard. Mais je pensais pas autant. Faire des enfants pour pouvoir jouer. Je suis chiant de tout suivre. Les enfants, je m'en sers comme porte-gobelet. Oh là 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 là. Oh, il parle mal des enfants. Les paris sont terminés. Il y a un jeu à streamer. Mais Twinsen, Twinsen, t'as pas compris que les gens venaient pas là pour voir du beau jeu. Tout le monde vient là pour chiller et raconter des conneries. C'est là où je fais les meilleurs, c'est là où je fais les meilleurs streams. C'est quand il y a un jeu en fond puis que je joue pas. Voilà, t'es le seul à vouloir voir du jeu en fait. Hein.
Je me demande ce que je déteste le plus, la foule ou les chats. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai que d'habitude. Ah. Il est pas très sympa, Manny. On peut mettre monter les marches. On retourne là. Ouais, allez, les noms sont un peu moins inspirés là, faut avouer. Ah mais il y a encore un truc dans le fond. Est-ce que je peux ? Non, ok, dans le fond, il se passe rien. On est là pour les vannes du streamer. Alors, vous êtes là pour les vannes que je fais ou vous êtes là pour me vanner ? Parce que j'ai plutôt l'impression que c'est la deuxième, hein. On veut re-entendre Glottis faire le bruit de voiture, ça nous manque tous. Ah, par contre, maintenant... On s'est laissé encore emporter un jour 2 heures. Plop, j'étais pas assez vieux aujourd'hui, alors je suis là. Alors que je suis chez mon mec. bonjour Gigit 014. Comment allez-vous Gigit 014? Et bonjour à mec de Gigit 014. Et aux enfants de Gigit 014. Et à la nièce du mec de Gigit 014. Voilà. Voilà. Tout ce monde. Je joue pas. Hein. Il y a un jeu en fond, mais c'est... je refais... Les enfants du mec. Non, j'ai oublié les enfants du mec. Oh là là, on sait plus. Et donc, ce soir, je fais un stream Snoop Dogg. Vous avez l'impression que je joue, mais en fait je joue pas. C'est ma spécialité. C'est les streams Snoop Dogg. Je me roule des pétards pendant que quelqu'un d'autre joue au jeu. Entre les anniversaires à Noël, le placard déborde depuis que t'es venu. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah ok. Ah d'accord. Ah là là. M comme dans James Bond, la classe. Ah non, ah non non non, parce que si vous avez vu Norman, James Bond, ça peut être ni une gonzesse et encore un moins noir. Hein. Attention, hein. C'est Norman qui l'a dit. Alors c'est sûrement quelque chose de qualité. Je sais pas s'il y a des Norman le malaise, mais ouais. Oh là là, mais... Non, il a pas bu devant la caméra. Ah, j'ai dit tes enfants, bah je suis désolé, je me suis trompé. Ça... Norman le vaut. Ouais, non, c'est clair que ouais, c'est un peu ça. Mais ouais, non, c'est... From adolescent, tout boomer, real quick, quoi. Le chat, c'est dans le jeu ou c'est Rabia? Non, non, c'est dans le jeu. Rabia miaule très rarement. Mais ouais, et le pire, enfin je sais pas si vous avez lu le alors ceux qui sont sur Twitter, je sais pas si vous avez lu le thread de Bulbeuse, mais c'est horrible en fait. C'est, alors effectivement, on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux du sketch, de l'étron, voilà, où il explique que lui veut pas que James Bond soit une meuf noire. Déjà mec, d'où on t'a demandé ton avis? Hein, t'es qui pour filer ton avis? On dirait un boomer mais jeune, mais tellement quoi. Et donc déjà ouais, bon mec, on t'a pas demandé ton avis quoi, donc on a rien à foutre. Mais le reste est immonde quoi. Bah, allez voir le thread de Bulbeuse et ça vous évite le malaise de regarder une heure de merde. Comme ça, et d'entendre derrière enregistrer parce qu'il fait même pas rire les gens dans la salle. Mais ouais, le reste est immonde quoi. C'est
une blague misogyne, une blague raciste, une blague misogyne, une blague raciste, une blague misogyne, une blague raciste, une blague homophobe, une blague misogyne, une blague raciste. Voilà. C'est... Voilà, 2020 le gars... Rien que l'extrait qui est censé te faire envie, je suis gêné pour lui. Ah non non mais moi je mange une pizza. Twinsen, toujours voilà, à faire une bonne remarque quand on parle de quelque chose. Merci à toi Twinsen. Merci à toi d'être là pour une remarque toujours à propos, toujours dans le thème. Merci. Moi, je mange une pomme, une coque orange, et c'est mes préférés. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. J'allais faire une blague. So you love cocks? You love cocks, Bibi? Je te banne, Tonium. Cultivé près de chez moi par un super agriculteur d'amour. Oh. Et un verger. Oh là là, un verger magique. Excuse-toi pour cette blague. Alors non, déjà on ne s'excuse pas, madame. On présente des excuses. Et à toi de les accepter ou non. Mais on ne dit pas je m'excuse. Sinon c'est trop simple. Et je... Par exemple... Par exemple, Norman a dit « Je m'excuse. Je m'excuse et je suis pas raciste. La preuve, j'ai des très bons amis arabes. » voilà, qu'on appelle l'excuse Nadine Morano. Récompense pour qui retrouve le chargement du bateau volé sur le port, comprenant une grande valise qui porte les initiales HL. Peut-être qui ça HL. Récompense pour qui retrouve le chargement. Oui, oui. Je ne risque pas de l'oublier. Cette cellule donne la chair des poules. Je suis sûr que cette fois Glantis a retenu la leçon. Ah, donc après il y aurait Glantis a fait de la tôle. Donc voilà. Bibi, je te présente des excuses. Pour cette blague immonde où je supputais que tu aimais les coqs. Voilà. Twinsen qui nous dit j'ai encore mon sapin de montée. Bah voilà. Bah, écoute, je me posais la question. merci d'y répondre. J'ai pas de sapin. Je préfère le bambou de Noël. Est-ce que des fois tu le tiens ou pas? Est-ce que tu tiens le bambou? Dans la chair des poules. Je suis sûr que cette fois Glantis a retenu la chelle, le commissaire Borgen sait comment on y entre. Ah c'est la zonzon ça en fait. Le truc qui ressemble à un bateau, c'est la zonzon. Fais une soirée à la morgue, c'est bien du même brillant. Je ne peux pas dormir quand il y a des inconnus sur la table d'autopsie. Si je n'identifie pas ces prés fleuris ce soir, je ne serai pas prêt pour les deux prés. J'en ai ma claque des azalées. Mais il a un chat qui peut mettre sa queue en sapin. Je pige rien. Mais je pige rien.
Je pige, j'aurais... Alors, un message sur deux que tu écris, Twinson, je pige pas. Je sais pas si c'est fait exprès. Mais c'est compliqué. Histoire, hein. Ces deux cadavres germés que personne n'est venu réclamer. La mort est toujours une triste histoire. Ça, c'est assez poétique par contre dans le jeu. Quand les morts décèdent. Hein? Ouais, bon. Quand les morts décèdent, eh ben ils germent. Il y a plein de fleurs qui apparaissent dessus. Et les fleurs qui apparaissent sont en fonction de la personne. C'est jamais les mêmes fleurs. C'est en fonction de la personne en fait. Bah, il y aura différentes fleurs dedans. C'est chouette, je trouve ça beau. Les affaires, ça marche? Trop bien, malheureusement. De nouveaux meurtres chaque jour et de plus en plus de germination. Je crois que quelque chose de pas net se trame à El Alamoual et que ça se propage jusqu'à Rubakava. Que recherches-tu exactement? Je cherche un trésor qu'au fond de moi, je ne souhaite pas trouver, car lorsque je découvrirai la pièce d'or qui donnera l'identité de cette pauvre âme, il n'y aura aucune récompense. Et je devrais même prendre le téléphone pour briser le cœur de quelqu'un. Bien sûr, avec cet équipement, ça risque de prendre un certain temps. Quand un chat a peur, sa queue se transforme et Guigui Skinny, les mecs aussi, non? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je peux aider? Oui. Attrape cette feuille et maintiens-la. Manny? J'y arrive pas. Je te mettais juste à l'épreuve. Comment y arrive? C'est un travail comme un autre, tu sais. Le secret de mon bonheur, Manuel. C'est que j'ai le cœur d'un enfant de 12 ans. Je le conserve dans un bocal. Oh. Ça te dit de le voir? Oh. Non. Oh. Désolé, c'est une vieille blague. J'ai le cœur d'un enfant de 12 ans et dans un bocal. Pause. Je vais chercher à... On parle trop. Je joue pas assez, je parle trop. Du coup, j'ai soif. J'ai soif, donc pause de 1 minute, comme ça en plus je vous claque une petite pub, c'est cool. Je vais aller me chercher à boire un petit peu, histoire de me réhydrater la gorge, voilà. Bon, à tout de suite, des bisous et profitez bien de la pub, hein. Ne zappez pas. C'est ça qu'il disait Morandini, ne zappez pas. Alors, si vous m'entendez, c'est que vous êtes sub à la chaîne, c'est bien. Ah merde, les pubs sont finies. Ah, les pubs sont finies. Si vous n'en avez pas vu, c'est que vous êtes sub à la chaîne. Merci, merci à vous. Il réfléchit pas, il attend les Jean-Michel à vous. Coucou Issois, bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé sur le stream et d'avoir bien discuté. Voilà, Et n'hésite pas à chier dans les bouquins des gros cons. Voilà. Quelqu'un, tu as l'obligation, quand quelqu'un te commande un bouquin, de le prendre. Rien ne t'oblige à ne pas... rien ne t'interdit de chier dedans. C'est de bonne guerre. Hop, il est où le jeu? Il est où? Il est là.
Tu n'as jamais peur que ton métier ait un effet néfaste sur toi? C'est vrai que l'investigation botanique est éprouvante, Manny. Mais as-tu déjà côtoyé un fleuriste? Quand on est vivant, on devient fleuriste par amour des fleurs. Mais ici, une fleur est un symbole de douleur. La mort dans la mort. Le conflit des émotions est de plus en plus fort et finit toujours par mener à la folie. Merci pour le tuyau. Désormais, je n'offrirai plus que des ballons. Pourquoi restes-tu en ville, Memril? Pourquoi ne prends-tu pas le chemin du 9e monde? Tu sais, Manny, quand on cherche une chose pendant tant d'années, on finit par ne plus croire en son existence. Tu ne crois pas que le 9e monde existe? Pourquoi crois-tu que nous soyons tous coincés à Rubakava? Parce que tu attends le jour de ta retraite ou que tu n'as pas l'argent pour la traverser. On a tous renoncé, Manny. Tous. Si tu restes ici, ce sera un jour la même chose pour toi. Bon, je ne vais pas te déranger plus. Tu peux revenir quand tu veux. Des indices? Ça ne se fait peut-être pas de se plaindre de son matériel, Manny, mais comment veux-tu que j'identifie quoi que ce soit avec ce genre d'équipement? Moi aussi, j'ai longtemps été fonctionnaire. Je sais ce que tu ressens. Oh, ça parle des manques de moyens dans le public. Pas mal. Ce ne serait pas décent de cueillir des fleurs maintenant. Ce ne serait pas décent de cueillir des fleurs maintenant. Ok. Ah, il y a d'autres trucs là-bas. Y a une platine CD là. C'est vide. Pas avant que j'ai terminé. Pardon. Un petit rototo. Je ne prends pas ça. Hé, hey, je dois fermer ça? Non, j'essaie de l'aérer un peu. Ok. Bon, ici on n'a pas eu grand chose. On va faire le tour. Je peux monter. Mais c'est infini. Mais il est déjà décédé. Ouais, c'est ce que je disais. Les morts peuvent mourir. La pouette. Ça fait pouette à droite. Berk, depuis combien de temps ce corbeau est-il là? Tas de fainéants, remuez-vous et reprenez le travail. Ah oh merde, c'est bizarre hein, des fois il est de droite, des fois il est de gauche. Pouette. Bon alors je sais que la meuf au guichet, elle énerve l'autre. Est-ce que je peux la faire picoler? Parce que là j'ai un tixon. Hein? C'est quoi ça? C'est écrit ouvre-boîte ah, révolutionnaire oui. Spécialement conçu pour la jante féline. Donc je peux ouvrir quelque chose. J'ai un ticket. J'ai la machine pour faire les tickets. Pas vraiment envie de faire ça. D'accord. Je peux pas la faire picoler. Bonsoir, Lupe. Salut, Manny. Salut, bon, Manny. Ok. Ah, d'accord, ça a été rapide. Hein. On dirait que Lupe est encore dans tous ses états. Ok, je peux juste discuter avec Lupe ici. Ah oui, fallait que j'empêche l'autre en dessous là. Voilà, bon voyage. Le numéro gagnant, le 9, rouge, impair et manque.
9. Rouge. Cette honte. J'ai misé sur le 2. Pourquoi le 2 n'est-il pas sorti? Monsieur, je suis vraiment désolé. Je ne choisis pas les gagnants. Ces choses sont décidées par l'homme qui est à l'étage. Montez le voir et dites-lui que le commissaire Bogen est extrêmement contrarié par son jeu et que, quand il reviendra plus tard, il espère que la chance lui sourira un peu plus. Oui, monsieur. Bonsoir. Je lui ferai la commission. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ah, mais je suis tombé pile au bon moment, en fait. Enfin, je sais pas si c'était prévu ou pas. Mais juste, j'ai appuyé au bon moment, quoi. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Il est parti. Ladies and gentlemen, faites vos jeux, s'il vous plaît. Tout se passe bien. Monsieur Bogen est en pleine déveine, tiens. C'est la poisse. Ça m'en a tout l'air. Les croupiers honnêtes se font rares de nos jours. Pas tant qu'ils perdent. Alors, du coup, il est où ? Il est où, Bogen ? Glottis. Hop. Oh, les musiques, elles sont cool, quand même. Ah oui, vu que je peux plus tomber à l'eau, je suis obligé de passer par là, maintenant. Super. Obligé de faire le tour. Faut que je... Non, je sais plus. Oh, je sais plus. Je sais plus où je vais. Oui, je suis même pas allé là-dedans. Oh, il y a encore un truc à droite. Blue casquette. Caveau bleu. Je trouve que ça n'a pas le même impact que Café Calavera. Caveau bleu. Je trouve que ça n'a pas... C'est solidement attaché. Ah, oh, je peux pas le voler. Quel dommage. Que se passe-t-il? Oh, ils sont moches dans le fond, hein. Là, ils ont gardé les graphismes d'origine. Ceux du fond, ils sont moches, hein. Hey, regarde, les babas. Salut, tu t'appelles comment? Salut, tu t'appelles comment? Ok. C'est sûrement une soirée impro. Une, deux. Une, deux. Attendez, on va refaire le spectacle de Norman. All right. Et maintenant le rock and roll. Faire virer avec mes conneries, moi. Peut-être plus tard, d'accord? Bonsoir. J'aimerais réciter un poème. Ah. Plénitudité. Fais-le. Levez-vous. Je ne suis pas mort. Seul. Soif de soif. Et pire encore. C'est beau, hein? Pardonnez ces 5 péchés. Je suis malade. Pourtant, je me sens bien. Ce n'est pas de joie que je ris. Les fissures de mon crâne. Être beau comme un goré. Vio violi. Pardonnez ces 5 péchés. Oh merde. C'est moche, hein. Rideau. Gracias. Muchísimas gracias. Je crois qu'ils ont pas kiffé. Une, deux. Une, deux. Pourquoi n'aimez-vous pas les repas en avion? Et dire qu'il se trouve drôle. Je trouve que c'est pas assez et pas bon.
Il n'y a rien de drôlatique à être mort, camarade. Quand on est mort, on souffre encore. J'ai dû perdre l'os du rire dans le corbillard. Quelqu'un peut-il me dire où je peux trouver des outils ? Le seul pion ici, c'est toi. T'es un pion du gouvernement, un suppôt de la bourgeoisie. Hey, quelqu'un ici peut-il me faire entrer dans le syndicat des marins ? Notre truc, c'est la lutte ouvrière, pas le sabotage ouvrier. Oui, parce que tout à l'heure, il gueulait, hein. Il disait « Oulala, là là, retournez bosser, bande de feignants !» Ah, Bibi la diva a récupéré Jean-Michel à vous. Donc du coup, qu'est-ce que tu veux que je fais? Dis-moi Bibi, c'est à toi de me dire qu'est-ce que je dois faire. Avec tes 500 coins. Meilleur investissement de coins. Hein. En fait, je... Est-ce que tu as cliqué à côté, Bibi? Est-ce que c'est vraiment toi qui as cliqué? Bon, on l'a perdu. Bon bah tant pis. Tant pis. Salut, tu t'appelles comment? Et ils veulent vraiment pas me parler, quoi. Tu attends qu'il y ait des propositions. Ah d'accord. Alors, comment tu as trouvé le poème? Il m'a plu. Il était triste et plein de charme, comme ma mère. Je l'ai détesté. Il était trop court et sans aucun intérêt, comme mon père. Il m'a laissé indifférent. Il était distant et plein d'autosatisfaction, comme mon chat, Monsieur Trotsky. Ah, ça reparle de Trotsky. C'est fou. Organisation ouvrière et révolte pour les nuls. Et je peux emprunter ce livre? Pour connaître les projets de notre organisation ouvrière et les refiler à ton pote, le commissaire Bogen? Tout ce que je veux, c'est un peu de lecture pour aller aux toilettes. C'est absolument hors de question. Moi, j'ai 6700 coins. Mais je garde pour faire un méga combo de Jean-Michel. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que tu fais ici? Les photos pour touristes, ça ne marche pas ici. Sauf peut-être celle de Lénine. Chut! Je suis en planque, Manny. Je veux prouver à Maximino qu'Olivia n'est pas la femme qu'il lui faut. T'en pinces encore pour Max, hein? Suis mon conseil, mon ange. Oublie-le, ce n'est qu'un flambeur. Comme toi. Là, tu me fais mal, bébé. Chut! Ils arrivent. Allez, chérie. Un petit baiser pour la route? Oh non, ne me laisse pas tomber, Nick. Tu es avocat. Un avocat, ça ne fait pas de sentiments. Non, mais j'ai le pif pour les coups fourrés. Hey! Si Maximine voit ça, on est sûr de finir en jardinière de balcon. Ne sois pas bête. À moi, il ne fera rien. C'est qu'il m'aime. Nous voilà enfin seuls. Tu vois pas les phrases, mes phrases. Bien. Comment va Max? Oh, ne sois pas vieux jeu. Comment ça? Comment ça, je vois pas tes phrases? Je te lis donc a priori. Coucou certificateur. Comment vas-tu? Les squats, ouais, il y a peut-être des gens qui vont arriver au million pour que je fasse des 5 squats. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que dépenser 1 million de coins pour que je fasse 5 squats, ça soit vraiment, vraiment utile. J'ai plus de réseau. Ah, bah non, mais on te lit. On te lit. Et là, du coup, il y a un choix, Bibi. Il y a un choix. Donc, si tu vois, bah dis-moi. Dis-moi si tu veux choisir ici, quoi. Et qu'est-ce que tu choisis? C'est pour ta santé. Hein? Pourquoi dis-tu ça? Attendez, j'ai des SMS.
Le mec il va lire ses SMS en stream. Je me fous de votre gueule. Hein. À un moment, va falloir vous rendre compte. Hein. Bah, c'est Séverine. C'est Séverine. Ah, il y a Bibi aussi qui m'écrit en me disant qu'elle a plus de réseau. Bon. Ah, c'est pour t'accentuer les squats. Bah oui, 5 squats, effectivement, ça va me remettre en forme. Ce matin, j'ai descendu les courses, je me suis coincé le dos. Hein. Donc bon, ça... Ah, allô, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche. On attend que tu choisis. On attend que tu choisis le... Comment je vas? C'est rigolo, en fait, que Bibi, t'es pas de réseau et que Certificator, il en est. Je trouve ça étrange. Comment je vais? Et bah, mis à part le fait que je me suis coincé le dos ce matin en sortant mes courses, ça peut aller. Ça peut aller. C'est bientôt la... Impro. C'est bientôt la fin de cette année de 2020 qui a plutôt été mitigée, hein, on va dire. Donc c'est plutôt cool. Je termine l'année avec un magnifique fond vert. Avec des transitions de scène. Voilà, que demander d'autre? Allez, soirée impro, c'est Bibi qui a demandé. Cette soirée impro est un vrai succès. Ces âmes timides ont toujours besoin de temps pour s'échauffer. Qu'est-ce que tu fais avec un requin comme Nick? Si je te le disais, Manny, je pense que tu ne comprendrais pas. Ah non, mais Bibi, c'est une fois, hein. Jean-Michel avoue, c'est tu choisis une fois et après, tu fais quelque chose demain. Ah merde, c'était pas... Ah merde, je suis con. J'ai cru que t'étais en train de dire une phrase. Ah merde, tu me demandais vraiment à moi. Oh le débile. Oh mais merde, le streamer le plus débile de Twitch. Hein. Ah merde, mais quel con. C'est pas très malin. Pensez à suivre la chaîne si vous aimez mes conneries. Hein. Quel débile. Du coup, est-ce que je fais quelque chose demain? Je fais quelque chose en amoureux, tranquillou. On voit ton fond vert quand il y a ta mare. Oui, c'est normal. Voilà. Voilà, parce que j'ai prévu en fait que quand je suis en just talking, vous voyez le fond. Je parle pas de moi, hein, je parle pas. C'est pas mon fond que vous voyez. Bien que si j'ouvre la bouche très fort, vous allez voir qu'il y a du vide derrière. Et donc voilà, quand je suis en talking, il n'y a pas besoin de fond vert en fait. Il n'y a que sur les jeux où voilà, c'est mieux d'avoir le fond vert, comme ça vous profitez plus de l'immersion et je peux mettre ma gueule en plus grand. Voilà, vous voyez tous mes défauts, c'est mieux. Tu touches le fond là, ah. Attention Certificator, maintenant j'ai l'outil pour les vannes pourries, attention. Attention. Et si vraiment t'es pas gentil, je sors Nicolas Sarkozy. Hein. Attention. Pour incruster un truc à la place. Ou alors, je pourrais faire comme j'ai envie. Est-ce que faire comme j'ai envie et gérer mon stream comme j'ai envie, est-ce que ça serait pas quand même le meilleur truc? Putain. Ce serait pas mal, non? Je devrais peut-être faire comme... Ah oui, tiens, par contre, sur le... Ah, par contre, oui. Comme sample, glottis et ses bruits, ça peut être une bonne idée. Voilà. Pas Sarko. Quelle indignité. Ah là là, tu connais pas les meilleures choses. Fricoter avec l'avocat de son petit ami, c'est de la dynamite. Oh, j'ai peut-être eu tort. Enfin, tu comprends. Je m'inquiète un peu pour Lola. C'est parce qu'elle est condamnée, Manny. Elle s'est amourachée de Maximino. Moi, je ne me suis jamais laissé avoir. Je pense que Nick lui ferait du mal. Seulement s'il la trouve, mais rassure-toi, il n'a pas le sens de l'orientation. On va peut-être le voir tourner en boucle.
Tu allais leur déclamer tes poèmes. Si tu allais leur déclamer tes poèmes, il y aurait tout de suite plus d'ambiance. Oh Manny, dans mon propre nightclub, c'est comme si je voulais en faire un temple voué à mon entière vénération. Allez. J'y vais. Plénitudité. Fais-le. Levez-vous. Je ne suis pas morte. Seule. Soif de soif. Et pire encore, pardonnez ces 5 péchés. Je suis malade, et pourtant, je me sens bien. Ce n'est pas de joie que je souris. Les fissures de mon crâne. Être beau comme un goret. Tralalair. Pardonnez ces 5 péchés. Hey, tu as volé mon poème. Considère que c'est un hommage. Ah, elle a repris le truc que j'avais fait. Je me disais bien que c'était de la merde. Tu pourrais incruster des blagues sympas, ça changerait. Bibi. Modératrice. Allô. Où est la modo? On a besoin de modo là. Oui, on a besoin de la modération. Certificator n'a pas suivi les règles du chat. Il parle mal du streamer. Voilà. Donc sanction. Coup près. Faut le banner. Hein. Bannez-moi ça maintenant. Ah, j'ai pas vu. Bah, moi j'ai bien vu. J'ai bien vu. Puis en plus je l'ai lu. Je l'ai lu comme ça. Voilà. Tout le monde va se moquer de moi quoi. C'est un peu sombre ici, tu ne trouves pas? Sombre et froid, comme le cœur humain. Tu sais, j'envisage d'acheter cette boîte. Vraiment? Et moi, j'avais pensé acheter la tienne. Et puis, je préférais demander à mon copain Max de le faire pour moi. Tu peux l'avoir, je quitte la ville. Manny, je te trouve bien confiant, Manny. Pourquoi quittes-tu la ville? J'ai pas vu, dommage. Les accords Toltec, on a dit. Prends pas les choses personnellement, Tony Hobb. Les accords quoi? Les accords Toltec, c'est celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, c'est ça? Vous avez vu comment je m'y connais bien et dans le truc de geek, là? Hein? Avec les orques et... Et les machins avec des oreilles à pointe là. Une femme que j'ai rencontrée une fois et que je peux pas oublier. Je viens d'écrire un poème, rien que pour toi. Fais bien attention car il est plutôt court. Tu es prêt? Go. Ou. 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 Tu nous récites un autre poème. J'y vais. Vivant, on s'est endormi. La vie n'est qu'un long sommeil paradoxal. Dans un lit bien douillet. Enterré, réveil. Envoler le rêve de la chair dans notre mort définitive. C'était super. Oui, mais c'était le dernier. Et tu nous récites un autre poème. J'y vais. Tu redeviendras poussière. 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 Salut, Pab. Poussière. 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 Moi. Poussière. 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 Comment ça va? Poussière. Qu'est-ce que what? Pourquoi? Pour le... Pour les poèmes? Ouais, non, j'avoue, je... C'était super. Oui. Mais je les dernier. Comprends pas. Et eh ben moi ça va, écoute. Ça va plutôt pas mal. Bon, à plus, belle Amazon. Encore un petit effort et tu parleras comme un DJ. Non, ah ça je peux. Alors attendez. Est-ce que je vais y arriver?
Hop. Est-ce que je peux parler comme un DJ? Ouais. Un singe peut le faire. Voilà. C'est nul, je vais m'amuser avec ces... Attendez, il y a un truc mégaphone. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va? Ah oui. Ah oui, c'est vachement mieux. Venez, attention, tout le monde dans le manège. Il y a du budget. Voilà. Bisous. Pourquoi je peux ban le streamer? Parce que tu l'adores, le streamer. Parce qu'il est con. Il est con. Et ça te fait rire. Tu as plus grave ou plus aigu? Oui. Oui, je peux. Je peux pitcher. Je peux pitcher. On peut le muter, IRL. Pourquoi faire? On passe des slogans de manif. Oui, vous pouvez. Moi, je vais lire. Je vais lire les slogans de manif, ça sera super. Sinon. Sinon, voilà. Ça peut être beaucoup plus grave. J'espère que vous kiffez à mort. J'espère que vous m'entendez encore parce que c'est vraiment très grave là, quand même. Faudrait le remonter un peu. Voilà. Et le gender? Le gender, voilà. Je peux le changer aussi. C'était l'elfe en fait. Mais quel elfe? On dirait que tu dites dans le micro. Ça veut rien dire ta phrase. Ça veut strictement rien dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, on dirait que je rote dans le micro. D'accord. Et là, c'est mieux. Ah, j'adore. Ah, c'est tellement nul. Et là, tu vois trop beau. C'est trop chouette. Ouais, c'était la merde. Bisous. Bon, on arrête. Ma voix est quand même mieux, hein. Mais... Je pense pas que Jeff Bezos aimerait qu'on chante Pan ton patron. Enfin, Pan ton patron. Pas Pan ton patron. Ce qui marchera aussi d'ailleurs, Pan ton patron. La maîtresse, elle a fait un collier de nouilles. Je veux dire que. Non, hein. T'as pris de l'hélium? Tire une dent en or par la fenêtre? Non. Nope, c'est pas dans ce jeu, c'est dans un autre. Ce mystérieux ingrédient dans ces éclats de cercueil, hein? Relax, c'est à moi qu'Olivia a volé la recette de ce cocktail. Ouais, elle vole aux riches pour donner aux poivrons. Il a pris du de l'eau de vaisselle? On a déjà parlé de cette chanson référence à titre de l'atelier. Hein? Bon. Bon bah ta voix vient de faire planter mon portable apparemment. Ah! Ah mais trop de swag. Trop de swag, ça a fait planter le portable. Ça m'étonne pas. Atelier, le collier de nouilles. Oh mais ah, quand le chat est encore plus bourré que le streamer, c'est quelque chose hein, quand même. Bon, est-ce qu'on va faire la vaisselle? Je ne pense pas. Intransportable. On va plutôt piquer des trucs. Sans vouloir parler comme un capitaliste, j'ai des gens qui font ça pour moi. Alors, est-ce que comme Norman, ça lui coûte plus cher parce que sa femme de ménage est française? Manny serait-il Norman? La question reste en suspens. Le stream bourré, ça doit être drôle. Alors, non. Alors, le stream bourré, ça doit pas être drôle parce que c'est interdit par Twitch. Et donc, tu risques de te faire ban. Donc, le stream bourré, non. Et puis, en plus, moi, ça va être compliqué étant donné que je ne bois pas d'alcool. Je ne sais pas comment je ferai. Voilà. Mais...
Mais non. Non, non, il faut pas. Il y a le droit de boire modérément sur Twitch. Et quand on n'en fait pas l'apologie. Mais sinon, mal vu quand t'es bourré. Pourtant ce soir je suis sobre. Ah, bah c'est bien. La maîtresse a tous les droits quand elle garde nos enfants. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Super. Voilà. Quand ça obtient des faveurs de l'institutrice. Le barman n'a qu'à nettoyer tout ça. J'ai pas l'impression que les produits d'entretien soient très prisés. Donc je n'ai que faire de trucs pour le nettoyage. La vodka, ça ressemble beaucoup à de l'eau. Oh là là. Trop d'alcool. Ces assiettes sont crasseuses. Ouh, des restes. Prends. Dès que j'aurai une idée pour recycler ces déchets, je tenterai le coup. Le lave-vaisselle est vide. Eh ben, mets les trucs dedans. Intransportable. Sans vouloir parler comme un capitaliste. Ah, mais j'ai cru que c'était le truc dans le panier, moi, qui disait ça. Mais en fait, non, c'était la machine à laver. Est-ce que j'ai pas quelque chose à laver? Qu'est-ce que je pourrais laver? Non, j'ai rien à laver. Des assiettes crasses. Pas prendre les assiettes. Je refuse de m'en servir. Alors, il est interdit de montrer qu'on boit de l'alcool, mais on peut boire de mémoire. Tu peux montrer, hein. Tu peux montrer. Enfin, faut pas faire de pub, du coup. Donc tu peux montrer que t'es en train de boire, y a pas de souci. C'est comme tu peux cloper d'ailleurs sur Twitch. Le truc c'est que faut pas en faire l'apologie en fait. Faut pas dire regardez je fume ou regardez je bois et c'est super, faites pareil. Mais t'as le droit de boire de l'alcool et de le montrer, y a pas de problème. Par contre t'as pas le droit d'être bourré en stream. Si vraiment t'es bourré en stream, ouais non tu peux te faire ban. Et le whisky a du thé. Je pas compris ça. Ok, avec modération. Voilà, avec modération, on peut. Faut juste pas être bourré, quoi. C'est un peu creepy tout ça. Qu'est-ce qui est creepy? Le fait que ce soit dégueulasse ou. Avec modération, me sortez pas avec qui? Avec qui? Remarque, quand tu bois un truc, personne ne peut vérifier le contenu, c'est ça en fait, mais du coup, y a le droit de boire sur Twitch, tant que c'est pas de la promotion de l'alcool, c'est ok. Un dry January, en fait moi je devrais faire l'inverse du coup, quand tout le monde fait les dry je sais plus quoi, comme c'est le janvier dry January, il me semblait que l'année passait tellement vite, il me semblait que c'était il y a 3 mois tu vois le dernier. Et moi, faudrait que je fasse un January où je picole, du coup. Est-ce que j'ai un pull vert? J'ai un sweat vert. Et d'ailleurs, que j'aime bien. Donc je sais pas comment je vais faire quand je quand je streamerai. De vouloir voir un streamer bourré. Et pas forcément, c'est pas forcément une demande en fait. C'est en janvier, dry January. Non mais je demandais si c'était vraiment en janvier. Parce qu'elle aurait pu dire, on pourrait tous faire un dry February et ça passait. Ou un dry March. Et voilà. Et donc, je savais pas si c'était l'officiel ou pas. Donc me prends pas pour un con non plus. Je raconte pas que des conneries. Voilà, et vu que moi je picole pas, je ne sais pas quand est-ce que c'est le dry January, parce que moi ça change rien. Voilà, moi c'est un dry year que je fais, tous les ans. Un putain de sweat vert. Non, c'est un t-shirt, c'est le t-shirt vert que tu détestes, ce n'est pas le sweat. Un Canada dry January, voilà, là c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Oh là là, le gaz vex. Pas du tout.
Mais tu me fais passer pour un débile, alors que c'est pas ce que j'ai dit. Bon, j'ai rien à laver. L'évier est rempli d'eau de narguilé. Je refuse de boire de l'eau de narguilé et je ne peux pas non plus la prendre avec mes mains. Donc il me faut un contenant. Par hasard, une bouteille. Pas vraiment envie de faire ça. Oh, mais quel relou. Pas vraiment envie de faire ça. Pas vraiment envie de faire ça. Pas vraiment envie de faire ça. Ouais, t'as rien envie de faire, quoi, en gros. Entre un jus de pomme et un whisky, de moins c'est pareil. Entre un jus de pomme et du cidre, hein, par exemple, aussi. Pour faire encore plus proche. Mais de toute façon, la question se pose pas. On a le droit de boire sur Twitch. Voilà, je vais le redire, hein, mais on a le droit de boire sur Twitch. Ce n'est pas interdit. Voilà. C'était pas voulu, je trouvais ça rigolo. De me faire passer pour un con, tu trouves ça rigolo? Ah, super, hein. Ah, ils sont en train de picoler, les gens. On a dit. Il y en a qui tiennent pas trop l'alcool. On peut plus leur parler à eux du coup. Ah si. Allô. Sans effet. Ok. Le cidre, Norman ou Breton? Ça c'est une blague, c'est une bonne blague, c'est une bonne blague, mais c'est que à l'écrit. Ça ne marche pas du coup à l'oral, que Number 80 a écrit Norman et pas Normand, avec un D. Le signe Normand ou Breton du coup, et j'essayais de lui faire dire que la Bretagne c'est mieux que la Normandie. Ben, en fait je ne sais pas le cidre lequel est le mieux. Donc démerdez-vous avec vos conneries. Le Queen Yaman, c'est meilleur breton. Voilà, ça vous l'aurez entendu. Je vous le dis. Je vous le dis là. Voilà, je suis honnête. Le Queen Yaman, il est mieux breton. Ah, on arrive là. Ok. Et là, ça mène aux abeilles, c'est ça. Demi-tour à gauche, demi-tour à droite. On va bourdonner. On va faire bzz, bzz. Demi-tour à gauche, demi-tour à droite. C'est parce que t'as pas goûté le Queen Yaman de Certificator. Ah, ce bruit d'un coup. Non, effectivement, je n'ai pas goûté le Queen Yaman de Certificator. Mais en même temps, vous êtes des moitiés de Bretons, quoi. La Manche, c'est plus vraiment la Normandie, hein. D'ailleurs, en Normandie, le beurre est salé ou pas salé de base? Vraie question. Pas salé. On est des gens de goût. Shitstorm en vue. Pas du tout. Ouais, pas trop. Autant il y a des noms où ils sont inspirés. Il y en a d'autres où... bof. Oh, mais je vais leur bourrer la gueule au chat. Regardez. Ils vont manger. Paf. Sélectionnage. Pas vraiment envie de faire ça. Oh là là, mais Mani. Mani, tu veux jamais rien faire là. Je me suis fait lyncher par des Bretons à cause de ça. Enfin, la mamie de mon ex.
qui est une bigoudaine. Qui a vu une bigoudaine lui pousser. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le chum? On pige rien. Alors c'est moi qui comprends rien. Ne répondez pas à cette question. Hein. vous ne répondez pas. Hein. Vous avez interdiction de répondre à ce que je viens de dire. C'est pour ça que je n'ai pas d'animal chez moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? C'est pour désinfecter. Pas vraiment envie de faire ça. Non, on peut pas désinfecter les crottes de chat. Bon. J'ai pas entendu. La litière géante. Bah ouais. Ah ouais, hein, elle est balèze. Hein. Moi, si Rabia me fait des trucs comme ça, je pense que je vais la donner. Hein. Qu'as-tu dit? J'ai rien dit. J'ai rien dit, donc voilà. La question se pose pas. Pâté de foie pour les gagnants. Pâté de foie pour les gagnants. Je vais éviter la hernie. Ça sent bon, mais j'ai préféré manger mon propre bras. Ok, je vois pas, mais bon. Vivants, ils ne servent pas à grand chose, et morts, ils sont tout aussi inutiles. Oh, comment ça parle mal des chats, là. Fanny, il parle mal des chats, j'aime pas très très. Hein. Là, on peut pas y aller. Comment un squelette peut se faire une hernie? Bah, s'il a des os, c'est... S'il a encore des disques, c'est ok. Hernie discale. Encore 5 minutes. Une hernie discale. Ah bah non, je suis pas allé là. Hernie discale, c'est possible encore s'il a encore des disques. Y'a personne là. Y'a quelqu'un? Bonsoir. Bulletin de Paris. Quoi? J'ai besoin du bulletin de Paris que vous avez fait valider. Et pourquoi donc? Parce que ça vous intéresserait peut-être de voir la photo finish. Le voilà. Eh, ce n'est pas un de nos bulletins habituels. C'est qu'il date de la saison dernière. D'accord, juste un instant. Nous y voilà. C'est juste un troupeau de chats. Oui, mais regardez comme ils courent vite. Mes excuses. Vous gagnerez dans la prochaine, c'est sûr. Ah, faut que je trouve le bonjour en fait. Où peut bien se rendre ce drôle de petit gars? Où peut bien se rendre ce drôle de petit gars? Les paris sont terminés. C'est ça en fait, faut que je trouve le bonjour. Mais j'ai aucune idée, c'est quoi le bonjour? Il y a un truc là. Il y en a un autre là. Il y a personne là. Je suis d'accord, c'est pas possible, un squelette, et tu n'as plus que les os, plus les cartilages. Mais qu'est-ce que tu connais? Le docteur? Il y a quelqu'un? Je vous ai dit que nous n'avions plus de casquettes publicitaires. Comment? On ne distribue les casquettes publicitaires que le mardi. Je n'ai pas besoin de casquettes. Comme vous voulez. Quelle est votre mise? Je ne joue jamais. C'est à l'encontre de mes intérêts. Alors pourquoi m'avez-vous appelé? Je me sentais un peu seul. Je me sentais un peu seul. Merde. Quel glandu. Ok. Ça faut avoir la carte de membre. La course va commencer sous peu. C'est J'ai vu toutes les saisons de Grey's Anatomy. Ah oui. Est-ce que on parle vraiment cette série en termes de véracité médicale? Est-ce qu'on peut en parler? Si j'ai pas vu beaucoup d'épisodes de Grey's Anatomy, mais il y en a un. On m'a expliqué
C'est quand l'acteur qui était relou et qui s'est fait virer et donc ils l'ont tué, c'est original. A priori, il se fait taper par un bus. Attends, mais c'est con. Il se fait taper par un bus, il est méconnaissable. Ah bah oui, mais j'ai tout appris avec. Ah bah c'est peut-être pour ça, ça explique. Il est méconnaissable, mais finalement ils arrivent à le reconnaître et ils vont faire des greffes d'organes avec ses organes. Donc le mec s'est pris un bus. Donc à l'intérieur, ça doit être, du Kougloff. J'imagine du Kougloff à l'intérieur. Mais vu que c'était un gentil, il a donné ses organes et il est trop sympa. Il va sauver des gens. Il va les sauver des gens alors que lui est récupérable. Bon. Voilà. Merci. Merci. Hein. Jean-Isaac. Comment ça, Jean-Isaac ? C'est fermé. Eh ben, ouvre-le. Dis-lui son truc. Tu es sûr que je ne peux pas ? Pas de touche. Son intérieur. Mais dis donc, tu parles mieux de Isaac. Hein ? Putain, là, on voit toujours rien. Jette un truc ? Ouais, jette un truc, non ? On peut rien faire. On peut même pas sortir. Oh là là. Ça y est, je commence à être bloqué. Du type qui a pris le bus en douille. Et en plus il me traite d'andouille. Mais il est fou. Il est complètement barjo. Il va pas bien. Si seulement j'avais des modos. Oh là là. Iphone ni. Je peux pas tirer dessus si j'avais un pistolet. Si j'avais un pistolet, je pourrais tirer dessus. Allez. Je vais aller à la maison Poulaga. Toujours pas là le mec là. Je connais la modératrice, ouais. Ouais. Bon, je ne vais pas te déranger. Tu peux. Ok, là j'ai rien à faire. Je sais plus où ça mène. Ça. Attention, petite cinématique. Ah bah oui, ça remène là. Donc là, les abeilles. Ah bah, il y a le phare, mais c'est fermé. Casquette, j'en viens. Mais il y avait. Je sais plus. Ah, oh, je suis paumé. Hein. Je suis paumé.
Bah non, c'est de... Oh, mais je suis débile. Oh, je suis débile. Attendez, je vais redescendre. Attendez, vous allez revoir. Vous allez revoir la... Regardez, hop, cinématique. Regardez, je vous la mets en plein écran. Quand même. Faut que vous en profitiez un maximum. Regardez ça. Hop là. Et là, magie, je reviens. Oh, oh là là. La qualité de ce stream, quoi. Ok. Là, c'est ça. Là, c'est quand je suis tombé à l'eau, c'est ça? Voilà. Ça se trouve, je peux juste lui dire, ça y est, je suis partant. C'est bon, hissez la grand voile. Quelle voile? Celle du limbe. Paraviré. Mané, mané, mané. Le limbe ne transporte pas de passagers. C'est un petit cargo, fiston. Et tout l'équipage trim dur à bord. Je trimerai. Tes compétences? La vente et la gestion hôtelière. Bon. Hé, il y a une opportunité de ce genre sur le limbe. Oui? C'est dans la salle des machines. Ton ami Glottis y trouverait son bonheur. Mais il doit embarquer avec ses outils. D'accord. Si Glottis a des outils, on peut embarquer? Lui, il peut. Ne le prends pas personnellement, mais il n'y a pas de place pour toi. Putain, je suis inutile. Au complet. En fait, tout l'équipage est à bord, prêt à embarquer à l'aube. Et c'est qui ce gars qui n'est pas encore arrivé? C'est le matelot Naranja. Mais c'est dans ses habitudes d'être en retard. Mais qu'est-ce que vous faites quand je suis pas là? On joue, on s'amuse moins. On s'amuse moins sur le chat. Les gens parlent pas. Les gens sont tristes quand t'es pas là. Et moi aussi d'ailleurs. Voilà. Et quel poste occupe Naranja? Il est chef cuistot. Ah, gestion hôtelière. Ouais, ce serait peut-être dans tes cordes, mais à bord du limbe, le poisson est plus frais. Et si Naranja ne se montre pas, je peux le remplacer, non? Mané, tu n'es même pas au syndicat maritime. Nous sommes les seuls à le savoir, et nous savons garder un secret, non? Glottis n'en a pas besoin, mais le capitaine demandera à voir ta carte. Si tu n'en as pas, ils te jetteront aux requins, qui sont très friands de sa moelle, et j'aurai une amende. Le syndicat ne rigole pas, et je ne tiens pas à le provoquer. Ben dis, t'as quelque chose à demander? Bah non. Non, enfin si, soit la plus souvent. Voilà. C'est tout. On aime te voir sur le stream, donc plus tu seras là, mieux ce sera. Donc si je comprends bien, il faut que Glottis ait ses outils. Pour qu'il puisse faire partie de l'équipage. Et si le matelot Naranja ne réplique pas avant l'aube? Il sera là. Et si j'ai ma carte du syndicat maritime? Tu ne l'auras jamais. Alors je peux embarquer demain sur le limbe. Dans ce cas, oui. Pardon. Vu ma tête, on va éviter. Pourquoi donc? Quel genre d'outils Glottis doit-il apporter? Du matériel abeille des mers homologué. Et où trouve-t-on du matériel abeille des mers? Demande à une abeille des mers. T'as peur de te faire piquer? Où penses-tu que se trouve Naranja? Probablement chez lui en train de choisir des recettes. Je vais boucler mes valises. Oui, bonne idée, fiston. Ok, donc j'avais loupé une grande partie. Hein. Je vais boucler mes valises. Oui. J'avais oublié une bonne grosse partie en fait. Le limbe a besoin qu'on le bichonne un peu. Première chose. Glottis. Non, on peut aller demander aux Zab Zab.
du matériel pour les abeilles. Faut qu'on bosse. Pas la joie ici, Manny. En fait, on cherche à contrôler les moyens de... Comme qui dirait... Enfin, tu vois, quoi. Comme vous ne vous servez pas de vos outils, je peux les emprunter. On a dû les vendre pour nourrir nos familles. Mais alors, comment comptez-vous retravailler? Je te l'ai dit, on est dans la mouise jusqu'aux mandibules, Manny. Je peux vous emprunter une de vos cartes de syndiqué? Tu plaisantes ou quoi? Tu sais combien j'ai dû verser à Chinchilla Charlie pour la mienne? Ah, donc on sait c'est Chinchilla Charlie. Vous connaissez un matelot appelé Naranja? On ne mélange pas les abeilles et les marins. Mais vous êtes dans le même syndicat. Oui, peut-être, mais certaines traditions sont sacrées, Manny. Ne baissez pas les dards, les gars. Facile à dire pour toi, t'es nanti. Ok, donc faut que j'aille voir... Je retourne au club. Je sais plus si c'est par là ou pas. Si, si, c'est par là. Là, faut que je monte. Voilà. Là, je monte. Pouette. Hop, on va parler à Glottis. Manny, le commissaire est arrivé, j'ai essayé de lui jouer un air. Il s'est énervé. Ne fais pas de Bill, Mano. Il est mal parce qu'il a perdu à la roulette. Je croyais qu'on devait toujours le faire gagner pour éviter une descente de flic. On craint rien aujourd'hui, c'est férié. Je viens d'avoir une prise de bec avec Domino et Meche. Il faut quitter la ville. Hein? Quoi? Quoi? Comment? Domino a emmené Meche. On part à leur recherche ce soir. Et je dois faire quoi? Attends-moi, je vais trouver un bateau. Attends-moi là. Tac, ok. Belle mélodie. Je le sais. Plus tard. Terminé. Ok. Ça, c'est bon. Faut que je parle à machin. Manny. Et des cartes de syndicat, tu peux en faire? Manny, tu comptes travailler au noir ou tu veux juste aller boire dans les bars de marins? Tu peux ou tu ne peux pas? Je te propose un marché. Si tu récupères l'argent que me doit Maximino, je te propulse à la tête de ce syndicat véreux. Je ne recherche pas les honneurs. Pourquoi Max te doit-il de l'argent? Le mois passé, je lui ai donné en gage une valise pleine de fric. La course était truquée, Manny. Ils m'ont volé, ces escrocs de bas étage. Tiens, prends ce passe. Avec lui, tu pourras te présenter au salon privé. Oh là là, mais ouais, j'ai débloqué tellement de trucs là. Tu trouveras un coffre dans la cave à vin. Normalement, ma valise est à l'intérieur. Et tu peux m'avoir une carte ce soir? Si tu récupères mon fric, la carte sera sur la table à ton retour. Ok, cool. Le numéro gagnant, le 7 rouge. Un pair et manque. 7 rouge. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Tout se passe bien? Monsieur Brogan est en pleine déveine, tiens. C'est la poisse. Ça m'en a tout l'air. Ok. Est-ce qu'il serait pas en haut? On voit tout, mais ça sert à rien. Merci. Quoi faire avec ça? Le
Le numéro gagnant, le 26. Noir, paire et passe. 26, noir. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, faites vos jeux, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Le numéro gagnant, le 22, noir, paire et passe, 22, noir. Et je vais Mesdames essayer et messieurs, faites vos jeux, je crois que c'est là, le flic, il est là. Ladies and gentlemen, faites vos jeux, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, rien ne va plus, les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, rien ne va plus, les jeux sont faits. Le numéro gagnant, le 30, rouge, paire et passe, 30, rouge. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. J'ai pas compris. C'est pas grave. Manny! Ah. J'ai un message pour toi de la part de Lola. Lola? Oui. Bon, où est-il? Mais où l'ai-je mis? Oh, voilà. Non, attends, flûte. J'ai un nouveau système pour les messages. Ouais. Laisse-moi juste. Ouais, attends, oh, on se calme. Ouais, bon voilà. Attends une seconde. Vide, il y avait quelque chose. Sûrement une clé. Une clé? Ouais. Quelqu'un serait venu la voler pendant que j'étais occupée à trier les manteaux? Qui ferait une chose pareille? Tout mon système tombe à l'eau. Si vous avez entendu un chat, c'est pas dans le jeu. Hein. Bonsoir, Lupe. Salut, Manny. Bogen était furax en partant? Ouais, qu'est-ce qui se passe? La chance finit toujours par nous abandonner. Fais gaffe, Manny. Yeah. On va devoir mettre la clé sous la porte. Bon, j'y retourne. Ok. Du coup, elle m'a pas filé le truc. Super. Que je peux regarder les étoiles. Non, c'est pas un rêveur, Manny. Hein. Tu fais super bien le chat, Bibi. Hein. Franchement. Lola, Lola, on parle de maillot. Hop là, un miaou. Et bah bonne nuit Number 80 et merci encore d'être passé, d'avoir participé à ce chat. Merci beaucoup. Et bonne nuit du coup. Ok, toujours rien ici. Et non, 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 je voulais pas faire ça. Le salon, il est ouf. C'est là le salon, je crois. Ouais. Départ imminent de la deuxième course. Excusez-moi, monsieur, mais... Voilà mon laissez-passer, Georges. Maintenant, conduisez-moi. Oui, monsieur. Ceci dit, mon nom est Raoul.
Waouh. Waouh. Seul par contre. A priori chez les VIP y a pas grand monde hein. Je n'ai pas de télécommande et de toute façon il ne doit pas y avoir d'autres chaînes. Effectivement Mani. Ouais, il y aura peut-être quelqu'un après. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah non, d'accord. On dirait une pompe à jus. Ah! La pompe à jus pour le... Pour l'évier. Je pense que la pompe à jus, ça sera pour l'évier. On dirait des boîtes de cornet beef ou de pâté. J'espère que ce n'est pas là que finissent les chats de course. Pas besoin de kit et kat. Kit et kat. C'est encore et toujours de la nourriture pour chats. J'ai comme idée que le vin sort par là. Je ne prends pas ça. On dirait la réserve. Je ne prends pas ça. On dirait la réserve. Ah, je peux rentrer dans la réserve. C'est encore et toujours de la nourriture pour chat. C'est encore et toujours de la nourriture pour chat. Ouais. Je peux utiliser l'ouverture facile là. Hop. L'ouvre-boîte ne pourrait pas ouvrir ça. Pourquoi pas? Ouais, il n'y a rien d'autre pour l'instant. J'ai comme idée que le vin sort par là. Hé, hey, que faites-vous? Je voulais du vin. Hé, hey, regardez-moi le chambard que vous me faites. Fichez-moi le camp. Oh, et mon pinard alors? On n'est pas au flunch. Hey, vous ne voyez pas que je suis occupé? On n'est pas au flunch. C'est pas pinard. Y a pinard à volonté au flunch? Est-ce qu'il y a des flunchers dans le coin? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment fluncher dans le chat? Est-ce qu'il y a du pinard au flunch? Pas vraiment envie de faire ça. Ok. Non, tu fais un bon roupillon, lui, dis donc. Allez, debout. Hé, hey, y'en a qui essaient de dormir ici. Et si on tabassait ce serveur? Hé, et si on tabassait ce serveur? Bonne idée. Mais il est nouveau. Fichez-lui la paix. D'accord, ok, donc il est pas contre. Hein. Vous descendez? Probablement plus tard. Et maintenant, vous pouvez m'emmener en bas? Oui, je pourrais vous y emmener, mais je ne frappe plus les clients. Dans l'ascenseur, je veux le prendre pour descendre. C'est vrai, là-dedans personne ne me verrait vous frapper, mais j'aurai encore des ennuis. Pourquoi ne pouvez-vous plus frapper les clients? Exactement, ça n'a aucun sens. Contentez-vous d'ouvrir la porte. Alors ils verraient qu'on se bat. Je ne veux pas me battre, mais utiliser l'ascenseur. Froussard.
On peut vous soudoyer. Regardez-moi. Que pourriez-vous donner à quelqu'un qui a déjà tout? Désolé, faites pas attention, je n'ai fait que passer. Pour aller où? À l'ascenseur. Mon œil. Je ne peux pas descendre à la cave? C'est une cave à vin. C'est là qu'on stocke le vin. Ok, bonne nuit. Ah oui, il faut que j'aille à la... Oui, c'est vrai. Ça y est, je me rappelle... Ça y est, je me rappelle qu'est-ce qu'il faut que je fais. Hey, y en a qui essaient de dormir ici. Ok, bonne nuit. D'accord, bon, il va encore m'engueuler. Y en a qui essaient de dormir ici. Ok, bonne nuit. Faudrait que je me cache. Faudrait que je me cache dans du vin. Je peux lui parler à lui, ouais. Toujours aussi débordé à ce que je vois. Toujours aussi débordé à ce que je vois. Toujours aussi débordé. Oh là là, mais c'est géant. Allez, cours. Qui voudrait d'un chat géant en or 24 carats? Non, qui voudrait un chat? Point. Je crois qu'ils aiment pas trop les chats. Nick Virago, tu as réussi à te dégoter un boulot au salon privé? J'aurais cru que l'avocat privé de Maximino aurait son propre bureau. J'en ai un, mais on n'y sert pas à boire. T'as une trace de rouge à lèvres, beau gosse. Je l'ai déjà éliminé, et je peux faire la même chose avec toi, Calavera. Alors, tu ferais mieux de la boucler. Ok, donc il faut que je pique son truc là. Il faut que je pique son étui. J'ai besoin d'un avocat. Tu t'es fourré dans le pétrin, c'est ça, Calavera. Ah, on a juste besoin d'un type pour le stand de la pêche au canard. Canard. Non, on a juste besoin d'un type pour le stand de la pêche au canard. Canard. Drôle, ça. Oh, il fait la gueule. Alors, ça boum, Nick. J'ai vraiment besoin d'un avocat. Que veux-tu encore, Calavera? Je voudrais adopter légalement Glottis. Un client prétend que ma roulette est truquée. Le problème, c'est qu'elle est truquée. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un avocat. C'est si tu veux un avocat pour affaires courantes ou un super avocat. Un excellent avocat. Tu veux n'importe lequel ou l'as des super pros? Le meilleur, voilà en fait ce qu'il me faut. Et qui cela peut-il être, hein, dis-moi, Calavera? Qui, selon toi, est l'as des as parmi tous les avocats du pays des morts? Ah ben, je sais pas. Le seul que je connais. C'est toi, Nick. C'est toi, Nick. Bien vu. Mais c'est pourquoi Max m'a engagé sur la base d'un contrat d'exclusivité. Alors désolé, je ne fais pas d'heure sup. Ah. Pique-lui son truc quand même. Non, il le remarquerait. Alors, ça boum, Nick. Le félinodrome n'a pas une gestion nette? Si. Les chats y sont lavés chaque jour. Qui vois-tu dans la quatrième aujourd'hui? Eh bien, le dossard numéro 2, un tigré à pattes blanches est favori, mais il a une conjonctivite. Mais tu crois qu'il tiendra malgré tout la distance, c'est ce que tu penses? Non. Avec son œil poché, il finira dernier. Mais ça, personne ne le sait. Et je vais ramasser gros. Je ne peux plus garder ça pour moi. On n'a pas compris. Je déteste les chats. Moi aussi. Mais ils mettent du beurre dans les épinards. J'ai vraiment besoin d'un avocat. Mon carnet de balles est plein. Qu'est-ce que tu comptes faire?
Max pourrait peut-être te prêter. Il ne partage pas plus son avocat qu'il ne partage sa petite amie. Alors laisse tomber. Je pourrais te payer plus que lui. Regarde autour de toi. Maximino pourrait acheter ton club pour en faire une décharge. Je pourrais te forcer à accepter avec ça. Tu crois peut-être que je ne suis pas armé? C'est ridicule. Je dirais à Max que tu sors avec Olivia. Franchement, je ne te le conseille pas. Il serait furieux et alors gare à toi. Surtout si le cafeteur n'a aucune preuve. Je suis un ami de Max, il me croira. Les gens croient que ce qu'ils veulent bien croire, Calavera. Et j'aime à croire que tu es un gars intelligent qui répugnerait à répandre des rumeurs dangereuses. Je dois m'entretenir un moment avec Max. J'espère que tu seras parti quand je reviendrai. J'en ai un peu marre de ta tronche. Est-ce qu'il va se barrer sans prendre son truc? Ouais. Ah ouais, 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 ouais. Regardez, hop. Petit larcin. Hein. Avec ça, j'ai risque d'avoir des ennuis. Alors j'ai une clé. Où est-ce que j'avais un truc fermé? Peut-être que je regarde en fait ce que c'est, déjà. C'est les tuyaux à cigarette de Virago. Quelque chose fait du bruit à l'intérieur. Ça doit être caché dans un casier, mais je ne vois rien nulle part pour ouvrir. Je n'arrive pas à ouvrir le casier où doit se trouver la clé. Je n'arrive pas à ouvrir le casier où doit se trouver la clé. Ouais. Je peux... Ah non, je peux pas faire des combinaisons d'objets. Non, je on peut pas. Ouais, ton ouvre-boîte, ouais, j'y ai pensé, mais on peut pas faire de combinaisons d'objets dans le jeu. J'ai dû essayer de remonter là. Ok, tu t'en vas, Bibi? Ok, et bah bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Merci d'être venu sur le stream. J'espère que t'as passé un bon moment. En notre compagnie. Et bonne nuit, certificateur. Oh là là, les deux, ils dorment en même temps. Oh. Ouais, de toute façon, moi, je pense que je vais pas tarder. Je commence à être un peu fatigué. Donc, le stream va pas durer très très longtemps. Ne joue pas trop tard, t'as école demain. Mais non, je suis en vacances. Ok. Ah mais je sais. Détecteur de métaux. Avec les tuiles, là, ça va être bien. Voulez-vous bien poser vos affaires sur le comptoir de sécurité, monsieur? On va trouver la clé. Vous êtes en règle. Merde. Eh ben dis donc, Manny, j'ai failli te faire déshabiller.
faire quelque chose avec les tuyaux. Je ne pense pas trouver la clé comme ça. Dommage. Tu vas te faire mal aux yeux à regarder les écrans comme ça. Bah oui. Oui, maman. Exactement. Bon, pour la clé, c'est pas là. Où est-ce que je peux aller? Je peux retourner, ouais, au... à l'autre bar, là. Mais c'est pas par là. Est-ce qu'il y a pas un truc... Non, les liqueurs géantes, y a rien. Par là. Yes. Hop. Et je commence à me repérer un peu. Hein. Allez, blue casquette. Hop. Je ne vais pas vider toute l'eau de narguilé là-dedans. Je ne pense pas trouver la clé comme ça. Tiens, on aurait essayé, hein. Bon, encore. Ouais, non, j'ai plus trop d'idées. Donc, hop. On va s'arrêter ici.